Donc c'était le premier qui était dans la première émission. Dans la deuxième émission, pour rappel, on avait un petit jeune qui rentrait, qui faisait « Bonjour, je m'appelle Pierre, je viens d'acheter un iBook. » Et entre-temps, on a découvert sa vraie profession. Pas stripteaseur, non. C'est, évidemment, vous allez faire beaucoup de bruit, comme si vous étiez, comme d'ailleurs vous êtes, 150. C'est mieux parce que si ça passe en audio, ça se verra pas. Donc pas de plan sur le public. Hein. Et on va commencer tout de suite avec un tonnerre d'applaudissements, comme ils disent sur TF1, par le pompier. Ça fait drôle de parler devant 150 personnes quand même. Ah bah, par contre, ils font du bruit comme 150. Ouais, c'est clair. Alors après, petit... J'ai le droit de m'asseoir ? Ouais, tu peux t'asseoir, mais pas sur ma chaise. C'est la chaise du chef. Oh, voilà, c'est la rouge. Il y en a une autre rouge, c'est quoi ce bordel ? Steph, je t'arrête tout de suite, elles sont toutes rouges. La hiérarchie, c'était pas, c'est plus ce que c'était. Ouais. Ouais, en plus, ensuite, dans la troisième émission, ça me permet de faire un petit historique. C'était l'émission WWDC, si je dis pas de conneries, hein, la troisième émission. Ouais. Et là, j'ai réinvité le pompier, et, qui était toujours pas baptisé le pompier d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est la même personne, puisque quand Jiminy avait fait la liste, il nous avait mis deux colonnes, une colonne Pierre, une colonne le pompier. Ensuite on a eu quelqu'un qui au début s'appelait Mathieu mais qui rapidement une connexion de merde et donc on l'a rebaptisé le Martien. Et donc c'est pas lui qui est petit, c'est moi qui suis grand, hein. Vas-y, prends un micro, le Martien. Encore H-Pétrole est pas là. Bonsoir à tous. Voilà. H-Pétrole, si tu nous entends. Si tu nous regardes. H-Pétrole, Ben Owens Hurst. Parce qu'entre temps, il parle plus français. Ouais, alors par contre, après, pour la suite, ça va être un peu compliqué pour l'ordre. Ça va être un peu plus tendu. Mais je pense que ça va plus ou moins le faire. Dans l'ordre, je pense que par la suite, dans ce que je vois là, de ce qui reste à droite, ça doit être, à mon avis, Orny, ouais, qui ouais, est venu le premier. Ouais. Ouais, ouais. Donc, anciennement Ornithorynx, rebaptisé depuis très très peu Ornicar. Bonsoir. Il va probablement protester contre sa rebaptisation. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est, on m'appelle France Inter aussi sur une pomme pour ceux qui m'ont entendu. Ah bon ? Si vous vous souvenez, c'était pas très. Oui, bah oui. T'étais chiant pas, comme France Inter c'était ou quoi ? Un petit peu, c'était un petit peu grave et un petit peu. Par contre, la technique, si jamais on est naze, on est mauvais. Micro, tu nous fais un signe, tu cries très fort, de toute façon on t'entendra pas. Donc. Oui, parce que j'ai mon esclave ici présent. On, ouais, va, voilà. On va l'applaudir aussi parce qu'il voilà. Il fait la techno. Il s'appelle Laurent, c'est ça ? Ouais, j'ai retenu son prénom, c'est cool. Ouais, tu peux le dire plus fort, par contre. Ouais, Laurent. Ok. Ouais, bah, après, ça va être en vrac, à mon avis. Ouais. Parce que... ouais, en fait, j'ai oublié que dès le départ, il y avait quelqu'un qui devait être là à la première émission, en fait, mais qui, pour des raisons techniques, parce qu'il sait pas très bien se servir d'un ordinateur, était pas là. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est un petit peu mon hébergeur entre-temps. Il va rester probablement derrière en backstage, mais il est là-bas, derrière l'ordinateur horriblement tagué. C'est Vince. Ouais. Pour la petite histoire, les deux seuls mecs que je connaisse avant le Pomcast, c'est Vince et H-Pétrole. Tous les autres, c'est à cause du Pomcast si je les connais. Voilà. Ensuite, je pense que ça devait être probablement Alia. Ouais, donc voilà, notre présence féminine. Voilà. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, j'ai rejoint la fine équipe il y a un peu... moins d'un an à force, et je suis vraiment très contente qu'on ait réussi à organiser cette émission pour la centaine de publics en délire, et franchement... Non, 150, merci à 150, tous 150 vous attends. Vous êtes au moins 150, attends, c'est génial. Ils vont arriver au fur et à mesure. 150 selon la police. Ah ouais. 300 selon les manifestants. C'est le journal du futur. Alors ensuite, par la suite, j'ai reçu un mail aussi d'une personne qui par la suite devint aussi mon hébergeur, mais pas de façon informatique, mais bien de façon réelle, physique, puisque oui. Sa femme va bientôt se suicider, puisqu'elle nous a accueillis toute la semaine, le pompier, Vince et moi, dans deux lits, donc essayez de faire les combinaisons que vous pouvez, donc trois hommes dans deux lits. Ouais. Alors pour l'instant, il n'est pas encore divorcé, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est Rock. Alors bonsoir à tous. Alors je ne vais pas me suicider, c'est ma femme qui va me suicider.
d'être petit suicidé. Ah ouais, pas petit suicidé. Parce qu'il faut savoir qu'on a, on a une petite mailing list interne où on discute. Et à la mesure que l'Apple Expo s'approchait, les gens disaient « Ouais, je cherche un hébergement là sur Paris, les gens font un effort. » Au début, Rock avait dit « Oui, stuff, y a pas de problème. » Puis il s'est retrouvé qu'un deuxième, puis un troisième. Puis il a craint un instant qu'il faudrait aussi subir un quatrième, un cinquième et un sixième. Finalement, on a réussi à se serrer, mais sans Rock, c'était franchement... limite pas possible cette semaine, donc franchement il mérite doublement d'applaudissements et dédicace à sa femme et à ses petites filles. Ouais. Le pire c'est que j'ai promis de l'héberger l'année prochaine, je sais pas ce qu'il me prend. il est fou. Ah, il a dit un truc tout à l'heure dans le bus, ben voilà, c'est signé, voilà, donc j'ai re-signé pour un an chez Rockrock Hébergement. Alors avant que j'oublie quand même, il y a des personnes importantes à présenter, notamment des personnes qui se cachent. Donc il y en a qui se cachent derrière des ordinateurs, il y en a d'autres qui se cachent derrière des caméras. Puisque derrière sa grosse caméra, hein, donc ici on joue à ce jeu de celui qui a la plus grosse, c'est Vincent avec un T. Voilà. Alors là, t'auras l'air malin pour la retourner vers toi, la caméra, avec ça. Avec un truc pareil. Ouais, on termine tout doucement. Malheureusement, à un moment donné, il faut arriver dans les... comment on va dire ça ? Dans les gens qui ont des sérieux problèmes mentaux. Je vais essayer de m'exprimer en fait. Donc voilà, il nous avait promis qu'il allait arriver à l'Apple Expo avec c'était quoi le délire, avec un chapeau sur la tête, avec un hibou mort et son copain qui allait tirer un cercueil. Donc on a eu très peur, surtout que, entre parenthèses, c'était le seul avec Vincent, avec un T, qu'on n'avait pas vraiment encore vu en vidéoconférence. Et ça fait très peur. Vous pouvez demander aux pompiers, parce que la première fois qu'il m'a vu, c'était quand il a ouvert sa porte. Oui, j'ai eu très peur, hein. Ouais. Parce que je l'avais jamais mais vraiment vu, même en photo ou en iChat, rien du tout. Et sa femme lui avait dit, mais attends, il y a un truc, il y a un mec qui vient chez nous, tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais vu, toi. Donc, bah, à un moment donné... Depuis, ils sont inséparables, hein, ils passent toutes leurs vacances ensemble, pratiquement. Ouais, ouais. Alors, bon. Il fait un truc, lui, ils qui... Ils passent toutes leurs vacances ensemble chez moi. Alors, il y a des rubriques comme ça qui reviennent de temps en temps, genre, il y a des gens qui nous saoulent avec Disney. Voilà. Il y a des gens qui nous saoulent régulièrement avec Je voudrais préciser que... le pompier et Rock sont allés dans ma chambre pendant que je n'y étais pas pour déposer du matériel. Donc ils ont eu le loisir de fouiller partout et ils n'ont trouvé aucun Mickey. Donc voilà, merci. Alors ouais, je voulais juste dire que il y a des gens qui nous saoulent toutes les semaines. Quand ils s'accrochent, ben on sait plus. Va-t'en. Il y a des gens qui doivent adorer sa rubrique, d'autres qui doivent la détester. La rubrique s'appelle quand même Le Trippy et je vous demande d'accueillir Raoulito. Ouais. Quelle star quand même. Je voulais dire bonjour à ma maman. Et bonjour Alia. Tu es venu avec ton papa. Qu'est-ce que tu vas nous chanter oui. Oh non. Ah ouais. Voilà, c'est top parce que je vais raconter un truc. Parce qu'en plus, il est quand même arrivé à la Pôle Expo. En me disant « Ah bonjour monsieur Stuff, voilà je suis un pomcaster. » Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent pomcaster et poditeur. J'avais reconnu un petit peu un brin de voix, mais comme il se présentait pas, je lui dis « Ah ouais, lequel ?» Et alors sur ce, il me dit, très intelligent, « Ah non, un poditeur. » Après je me dis « Je reconnais cette voix. » Il me dit « Non, en fait, tu es Raoulito. » Donc voilà, c'est vraiment... Ouais, tout le monde était au courant. Bravo. Super, magnifique. Alors, c'est là où on fait le... Voilà. Voilà. Tout le monde était au sur courant. Il y a presque tout le monde. Bon, il y a quelqu'un que vous avez récemment, mais très récemment entendu dans le Pomcast, et c'est-à-dire pas dans Pomme 4, donc pomme, mais bien dans une pomme. Alors c'est-à-dire que je dois un petit peu introduire mon collègue le Belge. Ouais. Donc Jean-Phi. Bravo. Alors, je vais m'asseoir. Tout en signalant, juste avant qu'on commence, qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont ici avec nous dont il faut quand même que je parle, parce que c'est notamment des habitués. L'écran d'elle, au fond. L'écran d'elle. Très habitué, celui-là, ouais. Voilà. Et après, je m'asserrai correctement, c'est promis. Qu'est-ce que tu fais d'abord, il y a... C'est pour qu'on voit mieux. Ouais. Espèce de girafe. Après, je vais m'asseoir. C'est pour qu'on regarde sous ta jupe. Donc d'abord, il y a des gens qui nous aident sur le plan technique. Je l'ai dit tout à l'heure, Vince qui s'occupe du stream. Donc, on va du stream, hein, pas du string. Du stream, oui. On va essayer que ça tombe pas, qui s'occupe de la bande passante. Jusque maintenant, quelque chose comme 1 Tera 4 de consommer en septembre. Donc on a dépassé le record du mois d'ailleurs, d'août. Je voudrais savoir, pendant qu'on parle de Vince, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à
Tom Cruise. Non. Attention. Donc, il ressemble beaucoup à. Merci Alia pour ce commentaire. À qui d'ailleurs? À la régie, la suite. Bernard Lavillier. Celui du sac avec des bancs. Alors, levez la main les auditeurs qui pensent comme moi, s'il vous plaît. À Bruce Willis. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Bruce Willis? Il y a au moins 150 auditeurs qui sont d'accord avec toi. C'est Roger Willis. Il est jeune, mais déjà il n'est pas jeune lui alors. C'est Roger Willis. Ouais, je voulais juste dire qu'il y a des gens qui nous aident derrière la caméra et qui ont organisé un petit peu tout ça. On a parlé du fait que c'est un petit peu Alia qui a un petit peu tout organisé. Alia qui s'essaye au graphisme aussi. Donc bientôt on va virer Cobalt. Je crois que c'est clair. Va te faire voir. Je le dis. Il y a deux logos qui circulent actuellement sur internet concernant la Pomme on Stage. Et il y a derrière la caméra quelqu'un qui n'arrête pas de poster des commentaires aussi. Et je sais qu'il n'aime pas forcément qu'on parle de lui, mais ça va être obligé. Il y a Zares qui se casse là-bas. Donc voilà. Ça, c'est juste pour les gens que je connais, les autres que je connais pas, je m'en excuse. Il y a aussi quelqu'un qui. Quoi ? Oui, alors voilà. C'est moi. Les gens qui nous, qu'on connaît un petit peu et qui nous aident pour la technique, on les remercie vraiment beaucoup. Et alors par contre, c'est des gens qu'on connaît vraiment pas vraiment, mais ça ne saurait tarder qu'on les connaîtra bientôt plus. C'est l'EPITA, sans qui on serait pas là, parce que nous sommes ici dans les locaux de l'EPITA. C'est une école d'ingénieurs qui s'intègre. Bravo. Applaudir aussi. Alors ces jeunes gens. Ils font partie de l'EPIMAC, le club Mac de l'EPITA. Ils sont environ 70 utilisateurs de Mac de l'EPITA. Ils font plein de trucs marrants. Ils font des soirées pour suivre les keynotes du grand Steve. Ils organisent quelques formations internes. Et puis, alors plus technique, ils font du développement un petit peu. Par exemple, ils ont bossé sur le portage d'OpenOffice sous Mac. Et très prochainement, vous les entendrez dans une émission. Enfin, vous entendrez surtout le jeune homme à lunettes. Non, c'est du milieu, c'est de pardon, il y en a un. De... Bravo, jeune homme à lunettes. Voilà. Bravo. C'est bien de porter les lunettes. Voilà, pour parler un peu plus. Ils ont surtout une très belle porte aussi, il faut le dire. Si vous venez porte d'Italie, venez voir la porte de l'EPITA qui devient opaque, enfin qui est opaque et qui devient transparente. Je suppose que c'est des cristaux liquides, je pense. Mais non, c'est très sympathique, c'est à voir. Les fonds sont bien utilisés. C'est quand à voir. Même, hein. Voilà, donc sinon l'EPITA quand même, c'est une école d'ingénieurs. Donc il n'y a pas de filles. Hein. Si vous êtes une fille que vous nous écoutez, que vous voulez aller dans une école d'ingénieurs, l'EPITA vous attend. Ça s'intègre les après le bac ou après. C'est ça surtout. Ah, tu veux être informaticienne? Viens. Ouais, c'est leur spécificité. Ils ne font que de l'informatique. Ces braves futurs élèves ingénieurs et enfin non, élèves ingénieurs, futurs ingénieurs. Donc s'ils sont des promotions, ils sont 5 promos de 250 à 300. Ça se passe en bac plus 5. Et voilà, ils sont sur deux campus et c'est une école très dynamique et on les applaudit bien fort. Voilà. Ah ouais, et ils ont un réseau Wi-Fi qui est un peu particulier. Vince saurait en parler mieux que moi, je pense. Ouais, il en parlera dans une prochaine émission parce que là, il est au taquet là-bas. Il est un peu au taquet. Ouais. On termine vite fait. C'est bien que t'en parles parce que c'est bien que t'en parles. Voilà. Parce que c'est ça qui me soufflait dans l'oreille en fait, pour tout vous dire. On termine avec quelqu'un qui est un auditeur de très longue date et qui nous a récemment fait un truc sympa qui était la liste de qui est venu et où on s'est rendu compte que finalement il y en avait qui n'étaient plus venus depuis très longtemps. C'est Jemini qui est là-bas à droite. Bravo. Ceux qui ne connaissent pas. Malheureusement je t'ai reconnu. Et puis voilà, il y a d'autres têtes que je connais, mais je ne mets pas tout de suite les noms dessus. Donc on va un peu commencer en gros. Dans l'ensemble, on a rencontré quand même pas mal d'auditeurs sur l'Apple Expo. On n'était pas là tous les jours. On n'était pas là tous les jours. Et franchement, c'était très très sympa d'enfin mettre des têtes sur les visages. Sur les pseudos. Et puis voilà. Ouais, parce que des têtes sur les visages. Des têtes sur les visages. Ça va aller, Alia. Au moins 5 minutes. Bonjour, je suis auditeur. Des têtes sur les visages, non mais. Ouais, donc voilà. En fait, on va commencer tout doucement. Pour une fois, c'est Alia qui a fait les show notes. J'étais un peu à la bourre. Et puis, quand je vous dis qu'elle a tout organisé, c'est presque vrai. Et c'est limite si elle n'est pas derrière moi et qu'elle est ventriloque. On a une liste de choses dont on va parler. Et notamment, évidemment, bien sûr, on va commencer par l'Apple Expo. Et on va faire un peu le bilan de l'Apple Expo, de comment ça s'est passé. Je ne sais pas si certains ont vu les vidéos ou pas. En tout cas, nos serveurs, ils les ont vues.
puisqu'il y a pour l'instant près d'un giga de vidéos. Ouais, donc il y en a 4 qui sont online. Ouais, c'est là, ça donc à peu près. Ouais. Pratiquement 800 mégas. Vous avez consommé donc beaucoup de bandes passantes. Merci. Continuez. C'est pas grave, c'est la Dedibox qui est contente. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc on a fait un résumé un petit peu tous les jours. Il y en a encore 3 qui doivent arriver. Le pompier va monter demain, hein, donc en une journée. Hein, Oui, bien sûr. Voilà, donc je ne mets pas la pression. Non, ça va aller. Et je pense qu'on va faire un petit tour de table du bilan de l'Apple Expo, de ce qu'on en a pensé. Et on va commencer ce tour de table par Orny, hein, qui est venu avec son équipement allemand, évidemment. Voilà. C'est en respect pour moi et pour ma petite famille. C'est pour toi, oui. Qu'est-ce que j'ai vu à l'Apple Expo? Et en fait, à vrai dire, je suis un petit peu le vilain petit canard du groupe, là, parce que je suis arrivé qu'aujourd'hui, moi, à l'Apple Expo. J'ai pas pu venir durant toute la semaine. Petit accident, petit truc, bon, pas possible. Qu'est-ce que j'ai vu de beau? Je vais un peu faire crier stuff, parce que tout à l'heure, avec le Martien, j'ai testé toutes les iPod box, enfin les boom box là, type iPod Ify, Shure machin et je sais plus quoi. Eh bien, je dois dire que la meilleure, ça reste l'iPod Ify. C'est le plus beau pour moi. On voit que tu es très fort en son. Non, quand même. À part la Bose. C'est la Bose qui est pas mal. Tu es allé chez Klipsch? Mais non, je suis pas allé chez Klipsch. Voilà. Mais le meilleur. Je suis allé chez Bose. Mais c'est vrai que ça reste un son très américain, moi, comme l'Apple du reste, mais celle qui a le plus de son. Je suis désolé, ça reste l'Apple. Je suis fidèle défenseur de l'iPod Ify, c'est l'iPod Ify, c'est ça. H-Petrol sort de ce corps. H-Petrol sort de ce corps. On t'a reconnu. Non, qu'est-ce que j'ai vu de bien, ouais, le nouveau Nano. C'est quand même assez sympathique, notamment avec la recherche automatique qu'on a pu tester sur ton truc là. Avec des oreilles. S'il n'était pas habillé avec ça, on verrait. Faut quand même savoir que ce monsieur a acheté ce petit. Le monsieur, c'est le Martien, pour les auditeurs. Oui, c'est bien le Martien. Oui. Il a acheté un petit bibi. Ce n'est pas 52% plus fin. Non, c'est la boîte. Hein, c'est la boîte qui est 52% plus fin, contrairement aux bêtises qu'on a pas rencontrées dans le stream, qui étaient évidemment des bêtises postées sur Mac Forever. Hein, ça. Tout le monde le sait. Par contre, c'est genre, je sais pas, un millimètre plus fin. Ouais, un petit peu. Un peu plus fin quand même. Un poil, quoi. Ouais, c'est un petit peu plus fin, ouais. Par contre, c'est quand même une merveille de mélange. Ah, comme disait Cobalt dans l'interview qu'on a fait de lui, c'est Maman Nano et Papa Mini qui ont fait un petit ensemble. Mais je sais pas, je me dis qu'ils ont quand même, ils ont dû avoir des courriers et des feedbacks d'utilisateurs d'Apple pour refaire finalement exactement le même design que l'iPod Mini, que personnellement je n'aime pas. Mais je trouve que je préfère plein d'amis, le Nano toi, soir. Ancienne génération, mais je trouve quand même que c'est une super belle machine et la recherche est quand même assez géniale. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas mis la recherche dans l'iPod 5G alors qu'ils ont rajouté pour que t'achètes un 6G. J'allais le dire parce que je disais que je ne comprenais pas, mais parce que je pense que le soft peut largement le faire, à mesure où il peut faire les jeux, il peut faire tout ça, il n'y a aucun problème. Donc je pense que d'ici un an et demi, on aura certes, ou peut-être même pas un an et demi, 6 mois, on aura une mise à jour du soft du 5G où on pourra avoir cette recherche. Non, je pense pas. Ah si. Je suis sûr que non, ça n'est jamais arrivé. Quand ils sortent des nouvelles fonctionnalités, elles restent pour un nouveau, iPod. Et c'est la règle. On a été bloqué avec nos iPod photos sur clair, les fonctionnalités de l'iPod photo. C'est pas grave, on aura un patch fait par un petit geek quelque part qui pourra. Un patch à te coller ici. Bon, ben on va passer à Rockrock, hein, parce je que. Le dis. Voilà. Voilà. Par contre, il voudrait avoir un micro. Merci, Hervé. Bon, j'étais dans l'ensemble un peu déçu quand même. Deux jours avec nous quand même, en presse. Deux jours avec vous. Ouais, en presse et tout, attention. Attention. En presse, ouais, ça c'est un honneur de pouvoir se reposer en presse. L'endroit où il y a du Wi-Fi de l'Apple Expo, le seul. Ouais, et surtout l'endroit où il y a des 30 pouces Apple. Ouais, et du Wi-Fi, il faut le dire vite. Hein. Faut le dire vite, mais le Wi-Fi est lent. Ouais. Donc un peu déçu. Par contre, la chose qui m'a quand même emballé, c'est que ce soit samedi forcément et même toute la semaine, c'est que tous les stands de l'Apple Store, Apple Store Pro, Apple Store Education, Apple Store Normal, étaient quand même pleins à craquer tout le temps. Donc il y a toujours tout le monde qui achetait en permanence sur l'Apple Expo. Et d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, puisque ça veut dire que ça marche quand même très très bien pour Apple. Tu as fait la remarque avec la bannière Trade Doubler et l'Apple Store. Ouais, c'est ce qu'on se disait, putain, tous ces gens qui commandent sur l'iPod Store, c'est con qu'ils passent pas par le podcast avant quand même, parce que ça nous fera un max de thunes. Ouais, donc j'avais pensé mettre une grande bannière en haut, aller d'abord sur podcast.com, mais je suis pas sûr qu'Apple aurait adoré.
Et puis là, de la dernière chose qui m'a quand même déçu de la part d'Apple, c'est qu'ils n'ont même plus localisé les affiches qu'ils mettent au niveau du stand Apple. C'était non mais c'est normal, anglais, c'est, hein. Ils les ont préparés pour Londres. Ils l'ont préparé pour Londres. Elles sont prêtes pour Londres l'année prochaine. Et essayez d'avoir des renseignements par un mec en français qui vous explique, un mec d'Apple qui vous explique. Une fois sur deux, c'est un Allemand ou un Anglais. Hein. Donc bon, pour un Apple Store en France, on sent que t'as un problème contre les Allemands. Non, contre ceux qui parlent et anglais et allemand et hollandais et français et espagnol, c'est tout. Un Apple Store en France. Non, non, un Apple Expo en France, pardon. Non, non, je vois, une semaine avec Stoff et tout de suite je parle d'Apple Store en France. Non, on t'entend pas. Non. Non. Bon voilà, et puis bah, j'ai bien aimé les Bibis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il en parlera mieux que moi. Et puis on les voit dans la vidéo aussi. Ouais, 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 et puis ils sont très sympas. Ah, j'en connais deux qui vont être contentes. Hein. Que ce matin, ils m'ont dit « Ah, mais tu fais partie de Pamstop, tu sais qu'on les voit pas sur la vidéo qui a été faite. » C'est un peu râleuse comme ça. Hein. Elles font penser à quelqu'un d'ailleurs de râler comme ça, je sais pas qui. Ouais. Ta femme peut-être. Ah ouais, on a oublié de vous dire, pour ceux qui savent pas encore, Vince a été rebaptisé récemment, s'appelle Le Râleur, il est donc joignable à leralleur@pomcast.com. C'est pas vrai, de toute façon on n'entendra pas ce que t'as dit. T'as pas de micro. Voilà. Alia. D'ailleurs, entre parenthèses... Et il y a du monde là sur le... C'est bien débrouillé. Il y a du monde sur le serveur ou... Entre parenthèses, il faut pas que j'oublie. C'est qu'on a un micro d'abord pour aller dans le public. Et ensuite, on a des licences à donner pour certains logiciels. Oui, quand même que vous n'ayez pas attendu 40 minutes. Voilà. Et on a un truc un petit peu plus rigolo à faire gagner et un autre truc bien mieux. Alors pour ce qui est des licences, on va pas se battre. On va pas se battre. Ne zappez pas. On a à peu près 20 licences et vous êtes deux, donc c'est bon. Je pense que de toute façon, on va pouvoir donner une licence à chaque personne présente ici. Donc j'ai bien 150 licences. 150 licences, c'est pas mal quand même. Pas de licences. Voilà, il va juste falloir qu'on se coordonne. Alors, pour ce qui est de... où on en était là On était à moi. Des licences. Des cadeaux. Plein de cadeaux. Merde, on en est à Alia. Bon, alors Alia, qu'est-ce que t'as à dire? Alia, je compte sur toi pour essayer de nous laisser encore quelque chose. Nous, on est à la fin du cercle, il n'y a plus rien à dire. Alia n'a jamais rien à dire. Alors moi, j'ai acheté un Alia truc sur l'Apple Expo en profitant... Le micro en face de la bouche. Pardon, j'ai acheté un truc sur l'Apple Expo en profitant des prix salon pour la première fois de ma vie et c'est des soundsticks de Hardman. Qui sont superbes. Je ne les ai pas encore testés, ce que je les ai achetés aujourd'hui, mais voilà, j'étais très contente d'avoir 50 euros de réduction. En vrai, j'ai vu, tu les as testés dans le parc. On les a vus, tu les as déballés. Voilà. J'ai ouvert la boîte en me disant, bon, ils n'arrivent pas, je vais lire le mode d'emploi. J'ouvre la boîte, je déchire le scotch et tout. Ils arrivent évidemment avant que j'ai eu le temps d'enlever le deuxième étiquette. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai un scoop. McDonald's est plus rapide que les pizzaiolo. Fallait pas aller à McDo. Moi, j'étais au traiteur libanais, c'était bien meilleur. Ouais, moi ce que j'ai bien aimé, bah, franchement, bon, ça on en parlera après quand on va parler de l'event Showtime, mais c'était absolument aberrant de faire un jour avec des nanos ancienne génération et le lendemain des autres nanos. Je sais que le staff d'Apple, alors peut-être qu'on va me contredire, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont dû, le mardi soir, ils ont fermé, puis à toute vitesse, on les a convoyés dans un endroit où ils ont eu droit à une retransmission de la keynote. Pour pouvoir le lendemain présenter le nouvel iTunes et les nouveaux iPods. Enfin, je regrette beaucoup de ne pas avoir vu la présentation de nouvel iTunes parce que personnellement, je pense, enfin oui, vous avez dû lire sur le net qu'il est bardé de bugs, j'en ai déjà découvert certains. Et puis ce que j'ai bien aimé, moi, sinon, c'est que c'était vraiment plein de monde. Ce que j'ai pas aimé, c'est que vu les gens qui étaient, vu ce que c'était devenu, qu'il y avait très très peu de solutions professionnelles par rapport aux autres années, ça ressemble de plus en plus à un truc d'électronique grand public. Ce qui n'est pas plus mal, sachant qu'il y a la photo Kina, par exemple, dans 15 jours. On a dit que t'en laissais un peu pour nous. Hein. Oui, d'accord, je finis. Donc, je pense, moi, que même s'il n'y a plus d'Apple Expo, il y aura encore au moins une Mac Expo. Une Mac Expo. À Londres, oui, il n'y a pas de problème. Et peut-être même un Apple Store. À Londres, oui. Pour ajouter juste un petit truc concernant iTunes 7. T'es déjà passé, toi ? Oui, oui. On parlait des bugs d'iTunes 7. Chef, j'ai un PC chez moi, excusez-moi, mais j'ai un PC chez moi qui sert de serveur. J'ai installé iTunes 7. J'ai installé iTunes 7, comme d'habitude. Eh, on va faire un jeu. Comme d'habitude. Quand je fais ça, vous faites qu'est-ce qu'elle d'accord. parle Qu'est-ce qu'elle parle quand... On va la baïonner. Hein, non, comme d'habitude, iTunes, une fois qu'il a terminé d'installer, il me demande de redémarrer l'ordinateur. Formidable, on a l'habitude avec ça chez PC. Donc je le redémarre et puis en le redémarrant, oui, il met NTDLR manque.
Donc bah voilà, contrôle là-dessus pour redémarrer et puis c'est de la boucle. Donc t'es bon, content. Master Boot Record est mort, je pense. Donc attends, tu voilà. fais des boucles? C'est GarageBand que t'as installé alors? C'est-à-dire iTunes 7 a flingué mon PC. Voilà. Bah ça se trouve c'est un soft intelligent. Hein. C'est pas ce qui. Tu as pas compris. Maintenant avec les Mac Intel, ce qu'il faut faire c'est installer iTunes 7 pour PC via Bootcamp sur ton Mac. C'est ça. Bah allez, on va passer, installer on va iTunes 7 Martien qui va via Bootcamp sur ton ouais. MacBook. Voilà. Je n'ai pas de MacBook. Ça viendra, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Donc ouais, moi je suis aussi comme Orny arrivé seulement aujourd'hui pour différentes raisons là encore. Et je partage un peu son sentiment, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, mais d'un autre côté à suivre quotidiennement l'actualité, fatalement il n'y a pas non plus beaucoup de surprises. Et voilà, donc si j'ai été assez surpris par le premier stand quand on arrivait sur la gauche, qui était justement ces petites housses faites par deux minettes qui n'ont pas encore les monté leur société. Alors, je vais même donner leur nom. Elles n'ont pas encore monté notre société. Mais c'est Lorraine et Paulina. Mais c'est illégal. C'est tu crois que je devrais leur demander la TVA? Ouais. Ah ouais, mais ça veut dire qu'elles vendaient en black. Ah, je sais pas. Au cœur de l'Apple Expo, ouais. Un scoop. Alors 40 là. euros. Ça m'a coûté un bras. Eh punaise, non mais je savais pas que c'était ça, ça t'a en amateur, quoi, la vérité c'est que ça, fait, hein. La vérité c'est que ça t'a coûté 70 euros. Etc. Ça fait deux mois qu'elles en font chez elles, visiblement elles doivent avoir des emplois. Par contre le micro c'est un unidirectionnel. D'accord. Voilà. Et voilà donc une Apple Expo qui ressemble de plus en plus à une Apple Expo sans saveur, avec un petit stand Apple, une moquette toujours aussi confortable par contre. Une ça Apple Expo juste envie d'en découper une Apple Expo sans avec. Apple quoi en clair. Ouais. Mais je crois qu'on se retrouvera tous à Londres l'année prochaine, quoi, parce que. D'ailleurs, au fait, on va. Rock, tu veux pas l'habiter à Londres? C'est ma seule solution de pas les héberger, c'est que ce soit à Londres l'année prochaine. Et si jamais quelqu'un a quelque chose à dire, il suffit de lever le bras comme à l'école. Ouais. Et on fait passer un mic, y a pas de problème. Et un Mac? On fait passer un Mac. On vous offre un Mac ce soir. Vous voulez un Mac? Levez la main. Ouais. Alors, il y a 150 Mac à gagner. Un micro. Donc c'est bon, c'est fini, t'as fini? Ouais, c'est fini. Bon, moi je vais passer mon tour parce que en général je parle un peu trop et puis j'en reparlerai à un moment donné. Je vais passer aux pompiers. Je vais vous quitter juste deux minutes pour régler un petit problème technique et je suis sûr que tu vas combler. Ouais, ça va, j'ai l'habitude. Non, Apple Expo pour moi c'était ma première parce que l'année dernière malheureusement je travaillais. Attends, il fait plus rien. Hein. Bah non, ça va. Non mais ils m'ont lâché au boulot, c'est cool. Bonne Apple Expo, dommage que ce soit la dernière quoi. C'est clair. On a surtout bossé comme des dingues avec Stuff. Hier, on a réussi à se coucher avant 2h du matin, c'est cool. Enfin, je dis ça, mais le deuxième soir, hein. Je me suis couché à 10h, donc c'est pas. Je témoigne. Ouais. Non, c'est bien. On a pris plein de contacts, surtout avec les différents constructeurs, tout ça. Donc, on va probablement pouvoir faire pas mal de tests l'année prochaine, et ça, c'est plutôt cool. Rencontrer plein de poditeurs quoi, et puis bah, c'est cool de vous avoir là à 150. Et ouais, tais-toi là-bas, Zarès. Ça va hein, avec les commentaires sur le site. T'as déjà, pas de micro hein. Et puis t'as pas de micro. Hein. Et puis voilà quoi. Non, sinon on a fait vraiment du bon boulot, je pense, et c'est cool ça quoi. Voilà. Raoulito. Évidemment. Oui, c'est à toi. Hein. Bah, moi j'ai bien aimé visiter l'iPod Expo, c'était sympa. Alors là, moi je voudrais quand même dire qu'on dit toujours que l'Apple Expo, surtout les gens qui y vont depuis très très longtemps, ceux qui se rappellent de l'époque où Apple distribuait des pommes au croisement des couloirs au CNIT, ça, c'était vraiment la grande époque. Il n'y avait personne, mais qu'est-ce qu'on se marrait. C'est devenu l'iPod Expo, certes, mais moi je pense que les MacBooks, ils les apportaient par palette, comme Mathieu le pense aussi, parce que les gens repartaient avec des tonnes et des tonnes de MacBooks. Et moi, j'ai aidé quelqu'un à en commander deux hier sur le store éducation. Et c'est vrai qu'on a fait augmenter la RAM et des trucs. Ils ne seront pas expédiés de chez Apple avant fin septembre, quand même. Ouais. Alia a quand même réussi pour un exploit, hein. Une personne âgée qu'elle a pris dans la rue, elle lui a fait acheter quelque chose, un MacBook à l'Apple Expo. Hein. Elle est forte quand même, avec tout ce qui est upgrade de RAM. Elle lui a volé son dentier, hein, sinon elle ne lui rendait pas. Elle a un flingue dans son dos, mais elle est très forte. Moi, les palais, je les ai vus. Énorme. Ouais, les palais, je les ai. Non, mais les palais, je les ai vus, surtout, ils les amenaient à 10h au matin sur le stand de CLG. C'était des palettes entières de MacBook qui arrivaient. Hein. C'est hallucinant, quoi.
Bah, ils avaient aussi quand même amené quelques palettes de iMac. Hein. Enfin, j'ai surtout vu cet ordinateur hein, partout. On a vu toutes les tailles, je trouve. Sauf le 24, il y en avait un qui traînait. Oui, il y en avait un qui traînait. Ouais. Alors, juste une chose. J'ai appris que c'était le seul qui était en Europe actuellement, le 24. Ça m'étonne pas. C'est énorme. Donc on doit s'estimer heureux qu'ils soient en France. Je l'ai ramené dans mon sac, ils n'ont rien vu. T'as un sacré sac, dis-moi. Ah oui, bah, j'ai dit que j'étais enceinte. Sinon, bah, Apple vend des voitures, j'ai vu des BMW. Ouais. Ah, je savais pas qu'ils faisaient dans la concession, quoi. C'était sympa. Il ouais. Y a des mini aussi, ouais. Enfin, des mini maxi d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi plein d'hôtesses. Je sais pas si t'as vu des hôtesses. Oui, attends, ça vous avez raison. On en parlera plus tard. Ouais. voilà, quoi, en gros. Bah, sinon, tout le monde y a été là, au fait. Ouais, quand même. Bah, ça va. Non, vous êtes 150, je vous rappelle. Tout le monde y a été là. Merci. Alors, on va continuer à meubler parce que vous voyez que notre chef n'est plus là. Non, non, on va ça va, il lève la tête là-bas. On va vous demander s'il si y en a qui ont envie de faire des commentaires On va laisser parler Jean-Phi et puis après. Allez, l'Apple Expo pour toi. Il n'est pas un podcasteur officiel. Non. Oh là là, comment elle se la pète. Il n'a pas le t-shirt. Oh là là. Oh là là. Il n'a pas le t-shirt. Mais oui, mais c'est Stuff qui s'est planté dans ses commandes, donc voilà, tu t'arrangeras avec lui après. Hein. Donne-nous ton avis une fois. Je te donne mon avis une fois, même deux fois plutôt qu'une. En fait, c'est la quatrième année que je vais à l'Apple Expo, et globalement, je suis déçu. Parce que, comme vous l'avez dit, le stand Apple est de plus en plus petit. Il n'y a pas... Enfin, moi, je me souviens que les années précédentes, il y avait des conférences qui étaient organisées, des tutoriels, enfin, des trucs vraiment pas mal. Bon, qui étaient en anglais avec traduction et tout, mais je trouve que cette année, il n'y avait rien. Même les solutions pro, je devais y aller hier, ma boîte m'avait envoyé voir des trucs pour le vidéo casting et le podcasting, et j'ai même trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, même le stand éducation d'Apple était ouais, plutôt petit. Chagrin, hein. Ouais. Peau de chagrin, le stand éducation. C'est vrai que par rapport aux années de la vente d'accessoires, où on arrivait, il y avait des grands plots, solutions machin, solutions trucs, là, c'était vraiment pas du tout ça. Alors par contre, ce qu'on peut quand même trouver de positif, il y avait vraiment beaucoup de petits éditeurs qui étaient là dans leur petit plot, il y en avait de plus en plus, et ça c'est vraiment bien, parce que c'est ça qui fait que le Mac est vivant. Ce qui fait que l'iPod est vivant, c'est tous les gadgets autour. Alors les mecs qui ont des stands énormes pour vendre juste des housses d'iPod, très design et tout, le super stand, je veux dire, bon, je parle pas des filles de Bibi parce qu'elle était petite leur stand, mais il y a des stands qui font 4 fois cette taille là pour vendre juste des housses d'iPod et de MacBook. Il était pas petit le stand des Bibi, tu rigoles. Attends. Il était pas très grand, hein, il était vachement bien. Ouais. Enfin bref, attends, et par business, contre les gens s'ils vendent beaucoup, ils ont de l'argent pour avoir un grand stand. Voilà, bien sûr. Donc tandis que les petits éditeurs de logiciels, ils étaient coincés dans leur petit placard, mais super efficaces. On a interviewé pas mal et franchement, respect et chapeau. Ils avaient un iMac chacun, je sais pas si t'as vu, il y a des moments les iMac étaient alignés et à chaque iMac c'était un petit logiciel en fait. Et du coup j'ai fait tous les logiciels pour essayer d'avoir un iMac libre, mais chaque fois je me dis « Ah vous voulez acheter notre logiciel ?» Vous faites quoi ? C'était pas un cybercafé. Hein. Moi j'ai vraiment cru quoi. J'ai quand même appris par une source proche du dossier que visiblement... Voilà, c'est pour ça que j'avais amené le dossier et la source. J'ai dans cette pochette un article. Le budget consacré par Apple cette année pour l'Apple Expo correspondait à 20% de celui de l'année dernière parce que Apple US n'aurait pas donné d'argent ou un petit peu trop peu. Ouais. 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 Donc tiens, finalement, on n'a pas eu une si grosse réduction que ça du stand, quoi. Non, pour 20% du budget. Pour 20% du budget, ouais, c'est pas mal. Oui, ils se sont bien débrouillés. Ouais. Alors par contre, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'étais là le mardi et le samedi, donc j'ai vu le début et la fin, et j'ai vu deux fois certaines des petites présentations d'Apple, et le garçon qui présentait MacBook plus MacBook Pro, Steve. Non, très mignon d'ailleurs, il le savait parce qu'il faisait des petits commentaires, oui, genre non les filles, désolé, je suis déjà pris, il faisait exactement les mêmes vannes à chaque moment, il était tout dynamique, tout frais le mardi, et je l'ai vu tout à l'heure samedi en train de faire sa dernière présentation, il comptait les secondes le mec, hein. Voilà. C'était triste, ouais. Mais c'était non, il se débrouillait encore pas mal, mais c'était parce qu'on l'avait vu avant qu'on voyait la différence, et là franchement, donc je pense qu'ils ont peut-être dû aussi réduire sur le staff, parce que là franchement j'avais vraiment... Si ça se passe comme l'année dernière, je crois qu'il y a tout le staff Apple France qui va sur l'Apple Expo, mais c'est juste qu'ils morflent pendant 5 jours, parce qu'il faut être au taquet pendant 5 jours, et ça ne doit pas être hyper évident. En plus, la moquette, même si c'est hyper confortable quand on y passe, les mecs, ils y sont 8 heures par jour, et il paraît que c'est insupportable. Quoi. Je comprends, 8 heures donc, par jour sur la moquette, non, mais... D'après ce que nous avait dit, le directeur marketing France qu'on avait interviewé l'année dernière, bah, tous les soirs, il faut rebousser les équipes, parce que c'est crevant, quoi.
Mais surtout, vous imaginez quand même la déprime. Parle dans le micro. Vous avez passé la journée à présenter des nanos en expliquant que c'était la machine, que c'était génial, le Nec Plus Ultra. Le lendemain, vous devez en présenter des nouveaux en expliquant que c'est cela, le Nec Plus Ultra, etc. Et t'as le mec à qui t'en as vendu qui revient te voir. Voilà. Ça, c'est... Oui, c'est ça qui est c'est ça le pire. C'est éprouvant pour eux quand même. Ils se foutent quand même un peu de la gueule du monde, quoi. Ils font la keynote, ils font pas la keynote en France. Voilà, quand est-ce qu'on allait aborder le sujet voilà, ouais, Attends. On va passer un micro tout de suite parmi vous. Parce que comme on a changé de caméraman, donc on a changé de caméraman. C'était juste pour finir un petit tour de table. En fait, je vais reprendre le truc de tout ce qui est music box et tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait un peu le tour aussi. Je voulais en prendre une. Il y a quand même beaucoup de trucs un peu moyens où le son est pas terrible. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment 2-3 qui ressortent. L'iPodify, je sais pas si c'est la meilleure. Il y a Bose qui fait vraiment un truc super bien foutu mais assez cher. Et il y a Klipsch, Stuff en a parlé, qui fait un bon matos. C'est un truc qui s'appelle l'iGroove, qui est plutôt pas mal au niveau budget-prix et qui vaut le coup. Autrement, pareil, petit bilan de l'Apple Expo. Moi, j'ai trouvé, en fait, pour les personnes professionnelles de l'image, j'ai trouvé ça super pauvre. Je m'attendais à avoir un stand Adobe qui aurait été un peu mieux au niveau de tout ce qui était démo, des tout petits softs un peu pro, style After Effects. Un soft qui a jamais à l'Apple Expo depuis 3 ans, qui est un soft qui s'appelle Shake, qui est une propriété d'Apple. Aucune démo depuis 3 ans. À chaque fois, je cherche quelqu'un qui fasse une bande démo, j'ai des questions dessus, il y a des bugs. On trouve jamais personne de capable dessus. Quoi. Il est question en fait qu'il le fusionne avec un truc dans Final, donc il va disparaître. Ouais, mais ça disparaîtra jamais. C'est un soft qui existait déjà avant qu'Apple le rachète. C'est le soft de compositing qui est le plus utilisé au monde. Mmh. Et c'est pas possible que ça passe dans un Final Cut Pro. C'est pas du tout, on va dire, l'idée du truc. Sinon, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça super pauvre au niveau solution professionnelle pour les gens qui font de la 3D. Aucun développeur de 3D, que ce soit Autodesk qui fait des solutions 3D, qui fait 3DS Max et qui a racheté Alias au début d'année dernière. Vraiment, de ce côté image, c'est vraiment un petit peu pauvre. Quoi. Et Cinema 4D aussi, je crois que c'est possible qu'il ait racheté. Il y avait eux qui étaient là, mais c'est pas vraiment une solution 3D professionnelle, on va dire. C'est du grand public. Ouais, mais il est à côté, le micro. Il y a un micro. Il est là-bas, le micro. Mais voilà, ouais, sinon c'était vraiment... Parlez dedans, sinon on vous entendra pas dans le podcast. Vraiment, ouais, une soirée, enfin une Apple Expo, vente d'accessoires et grand public, on va dire. J'ai l'impression qu'Apple voulait vraiment toucher des gens qui n'avaient jamais switché ou autre chose. C'est le but, hein. Ouais, ça reste une expérience. Et qu'il avait un peu oublié les mondes professionnels des gens qui travaillent sur machines. Je suis sur PC machine. Et je trouve que le MacBook est très beau. Je veux aller l'essayer. Eh ben, vas-y, aujourd'hui, quelqu'un qui te fait essayer, un mec d'Apple qui va te montrer comment marche un MacBook. À part le mec qui fait sa démonstration, son show. Très beau, hein. Va le voir de près, quelqu'un qui t'explique. Eh ben, t'attends un quart d'heure et il te montre le nano, mais. Je suis pas allé faire un truc sur le stand Apple, je suis juste allé regarder les solutions pro et j'ai été. Le problème du stand Apple aussi, c'est que tu peux pas toucher les machines, hein, concrètement. Ouais. C'est les staffers qui touchent, qui te montrent un truc, mais tu peux pas toucher les machines, c'est terrible quoi. Si tu veux toucher un Mac, faut aller sur un autre stand presque. C'est clair. Le MacBook est beau, quelqu'un qui veut switcher, il veut quand même savoir c'est quoi macOS. Ouais. Bah, y a aucun endroit pour essayer macOS. Ouais, y a pas une machine qui est en libre service, voilà, allez, vas-y, amuse-toi quoi. Si, en salle presse, quoi. En salle presse, on avait des Mac Pro, on avait tout ce qu'on voulait pour quand faire même un des avec, plus, quoi. Moi, je rappelle, un des plus gros stands qu'il y avait sur l'Apple Expo, c'est celui de Microsoft. Oui. C'est pas mal, quand même. Hein. Ça en dit long sur l'esprit d'Apple en ce moment. Dis-toi que ça rassure. Mais bon, c'est pas non plus le bon temps, parce que Autodesk n'est pas connu pour faire des produits Mac. De l'autre côté, t'as Adobe, qui n'a toujours pas sorti une seule version Universal Binary. T'as Microsoft, toujours pareil. Le seul que j'ai vu qui était bien au milieu, c'était Quark. Eux, par contre, ceux d'Express, ils étaient là, et c'était un des rares. Et sinon, vous vendez des X-Raid. Oui, j'ai failli acheter un X-Raid, mais quand j'ai vu que ça valait un an et demi de salaire, j'ai dit que j'allais mettre un peu de côté avant. Il faut que t'aies un plus gros salaire. Voilà, c'est tout. Un an et demi demande de ton salaire. Demande à Steph de t'augmenter. Les salaires de Pomcaster. Si, un an et demi fois 0. Oui, à 2 euros par mois en 10 ans et demi du mien. À 2 euros par mois en PayPal, ouais, c'est clair. Mais il arrive à manger avec, hein. Alors, j'ai trouvé une solution pour les licences. En fait, ça, c'est l'imprimante des temps modernes. Checker son mail et écrire. Parce qu'en fait, j'ai une liste de licences que je vais donner. Alors, comment on va faire pour les donner? Parce qu'évidemment, sinon, vous allez tous vous battre pour éventuellement avoir la même. Donc, pas de chance pour vous. Alors, la façon dont on va donner les licences. Il y a un stand debout derrière. Sera à peu près aussi forte que la façon dont on va donner les. Les surprises. Les, non, dont on va.
s'occuper de... dont j'ai écrit les licences, j'ai du mal avec mon français, excusez-moi. Je parle toujours le Jean-Claude Van Damme. Oui, voilà, c'est Jean-Claude qui revient. Alors en fait, on va se la faire aussi très old school, j'ai mis là un paquet de papier. Et en fait, ça va passer. Ah, c'est comme à l'école ici. Hein. On a tout... ouais, vous avez remarqué, il y a les tables. Interrogation écrite, tout le monde. Vous allez mettre de façon lisible et intelligible, comme on dit. Ouais, votre comme, toi, comme dirait Alia. Votre nom ou votre nickname, ça me suffit dans un premier temps. Et surtout, votre adresse email de façon très lisible. Et ensuite, je reprendrai les papiers. Et pour ce qui est des licences, on fera un tirage au sort dans le chapeau de Raoulito. Parce que t'as pris ton chapeau, non? T'as pas pris ton chapeau? T'as pas pris ton chapeau, chapeau de clown? Mon chapeau. Ton chapeau de clown que tu devais amener à la Pôle Expo? Bah oui. Le cercueil, le chapeau de clown. Non. Bien joué. Bah voilà, on a un chapeau, ah, voilà. Super. Ouais. On tirera au sort. Et ensuite, surtout, très important, les licences ici, c'est très très bien. Et surtout qu'entre parenthèses, il y a des logiciels qui valent un peu plus cher que d'autres, dont j'en vois un notamment qui coûte un peu... la peau des fesses. Avis de studio. Donc vous serez très content. Et oui, vous aurez enfin une licence légale de Microsoft Office. On est d'accord, ce sont tous des logiciels qui sont tous en dessous de 100 euros. Une licence e-movie. J'ai failli. Je crois qu'on peut applaudir Stan parce qu'il fait vraiment un effort sur lui-même pour reparler français là. J'ai fait un effort. Mais surtout. T'as combien de licences? T'as combien de licences là? T'as 8 licences? 98. 70. 10. Alors j'en ai 13 parce que j'en ai au moins 3 d'un et peut-être plus si affinité. Et surtout l'intérêt c'est qu'une fois que j'aurai tout ça, on fera un tirage au sort pour gagner le sommet du sommet qui est l'ITV Del Gato, l'ITV DTT. Donc voilà. Donc après comme vous êtes 150, je suis désolé. Peut-être que l'année prochaine il y aura plus de monde. Il y aura des déçus, ouais. Calmez-vous en fait, là-bas dans le fond, s'il vous plaît. C'est le stick qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, que vous avez pu voir chez Elgato, qui fait DTT donc, sur un stick. Et on tirera au sort celui qui aura gagné ce donc stick. C'est pas l'hybride, c'est le TNT. Qui vaut lui, par TNT, contre. C'est pas l'hybride, c'est le TNT, qui vaut quand même aussi 100 euros, lui. Je commence à m'y habituer aux 100 euros. Avec le logiciel d'Elgato. Et puis, on aura aussi à tirer au sort, on a 2 iSaver. Je ne sais pas si vous avez vu la démo de Folie où le mec met de l'huile d'olive sur son écran. Voilà. Détruit son iBook et ensuite le répare. Alors nous on est tous convaincus par ce produit qui sera peut-être un de ces 4, un de nos sponsors. Dans la foulée, dans les licences, je vais pas vous dire qui a comme licence, sauf en un, je vais forcément vous le dire, c'est Garage Sale, sans qui on ne serait pas là puisque c'est un petit peu notre sponsor. Donc merci moment, à Ilya et les autres de chez I Was Coding pour nous sponsoriser. Et donc tu veux me faire la pub? Ouais, normalement là tu vois t'es filmé donc c'est là que tu peux pas te gratter les oreilles en fait. Bah ça va, je suis pas encore allé dans mon nez. Ah mais c'est la première quand étape. Quand il parlait faire la pub c'était pas de ça que je voulais que tu parles. Pardon, ce podcast est soutenu très haut par Garage Sale. Garage Sale, la meilleure façon. Garage Sale est la meilleure façon, la plus simple, la plus merveilleuse de vendre chaque jour un nouveau produit sur eBay et de devenir millionnaire grâce à tout ce qui traîne dans vos garages. Comme Pomcast. Ah putain, elle a même pas fini. Comment on fait pour avoir Garage Sale? On va sur Pomcast.com. Oh là là, normalement on finit ensemble. Hein. Parce que ça m'a l'air, mais en fait je le répète pas à chaque fois dans une pomme, je l'ai enregistré une fois. Sérieux? On l'a enregistré, on le remet sur le site. Mais ceci dit, en fait, non, j'exagère, j'ai pas enregistré une fois, je fais diversion, je les envoie à Stuff, il me dit bon, ça va, ça non. Voilà, tiens, j'aime bien ce type là, ouais, la version 5, mais alors tu me la refais un peu différemment, un peu plus haut par là, etc. Au final, je l'enregistre une trentaine de fois jusqu'à ce que Stuff soit d'accord, et donc voilà. Et je ne me rappelle plus maintenant. Il y a un monsieur debout qui voudrait parler. Monsieur, oui. Petite question du public sur le net. Est-il possible de jouer au jeu même depuis Internet? À quel jeu? Oui. Je ne suis pas d'ailleurs. Eh bien non, il fallait se déplacer. Je dis franchement non, parce que tout le monde n'habite pas à Paris. Alors tout le monde ne peut pas venir à Paris. Un au sort parmi tous ceux qui sont sur le net et qui vont envoyer un mail. Qui sont sur le net et qui n'habitent pas Paris. Voilà, parce que les Parisiens qui se déplacent pas. Les Parisiens qui se déplacent pas, non, ça c'est excusable, je suis bien d'accord. Voilà. Donc quelle boîte mail on va pourrir? Qui a été désagréable? Donc je pense que l'idée vient un petit peu de Vince. Hein. Qui a été, voilà. Donc, vous écrivez le mail sur l'heurealheure@pomcast.com. Voilà. Et le premier gagne une licence? Non, pas le premier. Non, pas le premier, parce qu'on va tirer au On tirera au hasard. Sur on tirera. Ouais, tu tireras au hasard. Tu tireras au hasard. Oui, tout à fait. On sur ceux qui l'ont vu avant la fin de l'émission. Tu tireras au hasard un auditeur. Il y en aura qu'une pour les gens qui sont en ligne. Et comment ça fonctionnera? Le premier qu'on tire au sort, il viendra voir la liste. Il ne répétera à personne. Donc, tenu sous le
secret en NDA comme chez Apple et il choisira ce qu'il veut que je barrerai. D'ailleurs, au sujet du tirage au sort et de Disney, aucun rapport. Oh, cette putain, année. Ça y est, elle est repartie. Bon, allez, salut. Hein. Salut les gars. Non mais c'est très drôle parce qu'ils doivent tirer au sort des gens dans les parcs pour parce que pour leur exaucer des vœux et ensuite en faire des vedettes de campagne de pub. Enfin en gros photographier et dire regardez cette gentille famille. Ah on etc. me fait signe que ton temps est terminé. Merci. Donc on passe. On me fait signe que tu te grattes encore l'oreille donc tu peux te taire. Bah attends il y a un peu plus tôt je vais me gratter. Le problème c'est que d'habitude c'est les gens qui c'est les cast members qui sont présents qui disent bon cette famille a l'air gentille ils la prennent vraiment au hasard. Attends, les quoi mais les voilà. Attends, les cast members c'est comme ça qu'on appelle les employés. T'arrêtes de dire contre les cas. M'embêtez pas. Hey, tu peux parler français, s'il te plaît. Tu ressors, mais en choisissant que parmi les gens qui ont une bonne tête. Attends, on a Vince au standard là. Vince, quelque chose, oui. Oui, les auditeurs nous disent de lâcher Alia, d'accord. Oui, il y a pas de problème. Oui, que ceux qui veulent jouer, qui sont connectés sur le net, doivent venir dans la salle de discussion Pomcast. Oui, voilà, oui. Bon donc. Ah la vache. En gros. Donc le gars à Montréal. J'ai fini mon histoire qui n'a aucun rapport, mais je c'est sens drôle. Que ça va être aussi organisé. C'est drôle que et c'est presque fini si vous me laissiez parler. Non, on n'a pas envie en fait. En gros, cette année, le service légal leur a dit si vous voulez faire ça, maintenant vous êtes obligé de tirer au sort vraiment par ordinateur en fonction de l'ordinateur répertorie tous les numéros de billets et on chopera le mec à la sortie, on dira que vous avez gagné. Le problème, c'est que du coup, par exemple, le week-end dernier à Disney World, il y avait un rassemblement de fans de heavy metal, donc ça le ferait pas du tout sur les plaquettes de Disney, etc. Et je me tais, c'est fini, voilà. Vous êtes trop méchants. Super. Donc on a niqué et les oreilles. Je voudrais dire que si vous vouliez me faire taire, il y a une façon très simple. De l'esclave. Le mec au son, il est mort. En plus, il a des in-ear, le pauvre. Non, mais tout à l'heure, ils ont trouvé comment me faire taire. Il suffit, Lionel de Macbidouille rentre dans la salle et commence à nous parler. Je ne pouvais plus bouger. Lionel, c'est un appel. Plus parler. Dans quelle salle ? Nous sommes à l'Épita, au Kremlin-Bicêtre, 14-16. Lionel, tu nous regardes. Alia t'attend. Elle porte. Bon, et si on passait. Parce que là, je sens qu'il y a un moment de creux à un moment donné dans l'émission. Vous savez ce qu'on fait quand il y a un moment de creux ? Ouais, on fait. Tant pis pour toi. Le trippé. On fait le trippé pour toi. Alors attention, là c'est du grand délire. C'est du Raoulito quoi. Donc déjà, en avant-première, je voudrais vous dire, les gars du Pomcast, que je n'ai évidemment pas lu mon texte. Ça nous aurait étonné. Parce que j'ai eu un petit peu pas le temps. Bah les pizzas, hein, ça attend. Ouais voilà, non mais j'ai... Non, les pita. Voilà, pas les pizzas. C'est vrai, les pita. C'est bon aussi. Parce que j'y ai pensé, c'est très bon, ça serait peut-être même plus vite d'ailleurs, les pita. Parce que j'y ai pensé à lire entre 3h et 4h du matin, mais c'était un peu compliqué, hein, c'était un peu serré. Donc... Il est en train d'essayer de le lire en vous parlant. Hein. Remarquez bien la méthode, hein. Remarquable. Il y a 3 pages, hein, je te préviens. Mais c'est là, on n'est pas dans alors, la merde. Alors pour montrer quand même, Raoulito écrit tout. C'est hallucinant. Ouais. Voilà, alors il y en a des pages. Pas les secrets, pas les secrets, ne dites pas. Y compris les 3 petits points. Il y a des gens fois, qui pensent que quand il va se coucher chaque soir pour parler à sa copine, il prépare ses textes à l'avance quand même. Mais bon, non, mais elle parle pas à ma copine. Ah, on y avait pensé. On y avait pensé, ça, on s'était dit est-ce que Raoulito, en rentrant dans le lit au soir, dit ah, ne bouge pas. Pardon ? Non, mais c'est plus m'écouter là, je crois qu'elle a plus d'oreilles depuis le temps. Elle a abandonné en fait. Elle s'appelle JPEG. Ouais, ça s'appelle JPEG. Ouais, non, mais on s'était juste demandé si au moment où il rentre dans le lit, il dit ah, ne bouge pas, je n'ai pas écrit mon texte. Donc, je pense qu'il va laisser, il va vous regarder. Il va faire l'introduction du trippy quand même. Non, oui, il fait l'introduction du trippy là. Auto-introduis-toi. Allez. Bon, bah pendant qu'Alia monte sur le plateau avec le MacBook mort. Monte sur le plateau. Ça va pas être possible ça. Ouais, non, on va le faire à table, je pense. On le fait assis, oh. Ouais. Désolé, donc c'est un trippy vidéo où il va pas. Mettons-nous en situation. Quoi vous voulez ? C'est quoi la situation ? La situation est simple, j'ai voulu. Bah, en fait, c'est comme d'habitude, vous pouvez pas le voir. Non, de l'autre côté de l'ordi, ils font un peu comme on a fait avec Alia tout à l'heure. Vous me direz, c'est bien fait pour moi. Donc l'idée c'est simple. Je me suis dit, on va faire pour le trippy vidéo une situation que tout le monde connaît. Et genre, mon MacBook ne répond plus. Vous arrivez un matin, il répond plus. Par exemple, imaginons quelqu'un qui aurait créé un Pomcast, par exemple. Par exemple, acheté un MacBook Pro, il serait fier, il a vendu tous ses autres ordi, hein, jusqu'au jour où le MacBook Pro tombe en rade. C'est un MacBook. MacBook tombe en rade. Ok. En plus, il a fait le radar. Moi, c'était un proche. En plus, il est jaune, ouais. Je pourrais me plaindre que cette histoire, c'est une bécane de professionnel. Non, chez Apple, monsieur, vous avez acheté une bécane de merde, hein, parce que c'est pas une bécane de professionnel. Hein. Normal, il n'y a pas pro après. Voilà, il n'y a pas pro après, hein, donc c'est MacBook Consumer, ça s'appelle. Alors, ils vont vous montrer un petit peu. Ils ont chacun leur rôle, mais on va commencer. Ça commence où ?
au début, la première page. Stop. Attends, c'est quoi? On est numéroté. C'est quoi le mot? Alors, les pages ne sont pas numérotées. Je l'admets. Et stop, je suis sûr qu'il a déjà tout mélangé. C'est normal. Dis-moi. C'est bien parce qu'à chaque fois, quand on vous dit on va couper au montage tous les bordels, là, et stop, méfie-toi si tu retrouves ta carte de presse dedans. Ouais. J'ai perdu ma carte de presse en plein milieu de l'Apple Expo. C'est pratique. Alors, c'est donc l'idée. Imaginez, qui c'est qui pourrait avoir cassé son ordi ici, à part Stuff? Eh ben, j'ai trouvé Alia, bien sûr. Et donc, Alia, à mon avis, c'est pas possible problème. Ton truc, parce que pour une présentation dans une Steve... Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pour une présentation dans une Steve, I beg your pardon. Non, mais écoute, tu te poses pas la question, j'ai corrigé, c'est pour ça que c'est écrit en vert, j'ai corrigé à la main par-dessus. Je veux bien faire une présentation dans Steve, à mais... À mon avis, Steve, ça doit être juste son nom pour dire que c'est Steve qui parle. Oui, c'est quand voilà, tu lis un livre, tu lis pas les numéros de page. Tu sais, vote... Ah ouais, il lit, alors il fait vote le wet. Stop. Steve, c'est le mec quand il lit un livre, il est dans la truc, je sais pas, dans Harry Potter, et Harry Potter prend 18. 18. 18. Et après il tourne la page. Il cherche le rapport avec l'action, il se demande. Ah, pourquoi 18? Bravo. Je suis quand même en train de dire que Raoulito est en train de remettre les pages dans le même ordre où elles étaient à la base. Mais comment ça? Ah, ouais, c'est pas moi qui ai imprimé ça, c'est pour ça que je suis désolée, j'ai imprimé ça un peu vite et je n'ai pas numéroté. Par exemple, nous on a réussi à pas mélanger, mais bon, j'aurais pu. Quand même, sans Alia, on n'aurait même pas les pages imprimées, on n'avait rien du tout. Non, mais autant pour moi. Je crois qu'on peut quand même la remercier. Sans Raoulito, on n'avait rien du tout non plus. Allez, on y va. Voilà, on y va. Sauf que t'es quand même un petit peu désorganisé comme garçon. Tu veux des pizzas? Je voudrais bien, moi. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui qu'on commence? Alors, donc, bien mon rôle. On va essayer de revenir un petit peu sérieux, hein, c'est trippy quand même. On coupe au montage toute la séquence précédente. On coupe rien, nous, chez nous. Tu rigoles ou quoi? Il a peur, c'est son côté mal. Si vous saviez tout ce qu'on coupe dans chaque émission. Allez, vous allez voir, je prends la parole. Alors! Oh putain, ça me laisse oreille. On a un MacBook qui est capoute, il veut plus s'allumer, on est le matin de Noël par exemple, et Alia décroche donc son téléphone pour appeler ce que tout le monde ferait, le service après-vente Apple, présenté ici présentement par le pompier. Attention! Service après-vente Apple, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour votre service? Je vous appelle parce que j'ai un MacBook, je l'ai acheté très récemment, il est très beau, mais il ne refuse de démarrer aujourd'hui, je comprends pas, il fonctionnait très très bien hier, j'ai rien fait de mal avec, je l'ai pas laissé tomber et tout, de toute façon il y a MagSafe, donc voilà, je comprends pas trop. Oui, écoutez, je vois très bien, aucun problème, je vous passe Steve Jobs tout de suite, ne quittez pas. Quoi? Mais Steve Jobs? Bonjour. Et c'est Steve Jobs. C'est pas Lionel de McBidouille, mais presque quand même. Oh là là. Il y a du mouillage de culottes pour Lionel ici. Bon. J'ai jamais dit ça. Je vais re-rentrer dans Steve. Hein. Lionel, le Kremlin biscuit. Steve, sors de ce corps. Hi, this is Steve Jobs. Welcome to Lapaker. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un joke. C'est pour vous être encore plus agréable. Écoutez, bonjour monsieur Jobs, je suis très très impressionné, hein, mais je suis vraiment très ému là, c'est terrible de vous avoir en ligne là. Ce n'est rien, mon petit. Toutes les girls me disent la même chose. C'est naturel avec moi. Le service de communication m'avait bien envoyé un mail qui avait des risques d'évanouissement chez les young persons. Ah oui, j'en suis presque. Crap. Avocats and tribunals. Je veux parler à my public, mes utilisateurs de Mac. Je think different, vous comprenez? Oui. Alors, mon petit. Hein? C'est Hobson, là. Alors, c'est pour Lionel, c'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Déjà que je me le colle, Steve, toute ma vie. Alors si en plus tu me le colles. Bon alors, mon petit, quel est donc le problème? Eh ben voilà, monsieur Jobs, c'est mon MacBook. Je l'ai acheté en juillet. Il fonctionnait hier parfaitement. Et aujourd'hui, il ne marche plus. Il refuse de se mettre en route. Je suis très ennuyée. Parce que j'ai une présentation dans une semaine dont j'en ai un peu besoin avec la remote et tout. Alors là, mon petit, c'est le B.A.B.A. Il faut réinitialiser la PRAM. Ah bon? Alors, lorsque vous le démarrez, vous appuyez sur le keyboard, les keys, Apple plus Option plus R. Mais monsieur Jobs, je vous dis que je peux pas l'allumer. Je veux bien, moi, réinitialiser ce que vous voulez. Mais enfin, faudrait encore-t-il que je puisse l'allumer et ça marche pas. Pour l'instant, il ne réagit pas.
Nous avons un video special pour ce genre de soucis. Je vous donne le link et vous verrez. It's easy, c'est notre site. Mais c'est... je n'ai pas d'ordinateur, il est cassé, il ne s'allume pas, donc je ne peux pas aller sur votre site, moi, sans votre sans mon bol ordinateur. I beg your pardon? C'est... Oui, mais sans mon ordinateur, je me sens toute nue, je ne peux pas aller sur le site. Je me sens complètement dénudée sans mon ordinateur. C'est bien ce qui me semblait, les pages ne sont pas dans l'ordre. c'est moi qui n'ai pas bien dit. Rolito, viens les deux. C'est la même page. Voilà. On a super bossé là-dessus. Hein. Je me sens toute dénudée sur mon ordinateur, vous savez. Non, c'est pas l'accent. C'est, I beg your pardon. Et après, c'est... Mais c'est une expression, monsieur Jobs. Je me sens pas vraiment toute nue, vous inquiétez pas. Cette vidéo, vous pouvez pas me la décrire, tout simplement? Yes, good idea. Alors, une seconde que j'allume mon PC. Vous avez un PC? Allô? C'est une expression. C'est un personal computer, of course. C'est un Mac. Et t'aurais pu en mettre moins des ha ha ha. C'est toujours à toi. C'est toujours à moi. Hein. Oui. Après. Well, so my login. Start Internet Explorer 6. Apple.com. Okay, let's go. So video learning. Mac, book, troubles, wake up. Well. On voit une main ouvrir un MacBook as yours, n'est-ce pas? Elle approche son doigt du rond blanc et à la droite près du screen et elle appuie. Et voilà, le Mac s'allume, il vous montre le petit rond qui tourne, etc, etc. C'est à toi là. Ah mais t'es sans voix. Eh mais c'est... Hey. C'est énorme. Alors, je tiens à signaler que vous voyez bien ce que c'est quand un acteur n'a même pas lu son texte. Hello? Monsieur Steve, j'ai déjà essayé d'allumer mon MacBook comme cela. C'est même comme ça qu'on allume un MacBook normalement. Alors, s'il vous plaît, vous me donnez une idée ou proposez-moi quelque chose pour solutionner mon problème, d'accord? Casse pas mon micro quand même, hein. Dans son rôle. Et mon esclave. Par exemple, je sais pas moi, vous pouvez pas venir le chercher et m'en donner un remplacement pendant quelques jours pour que je l'aurai pendant que vous le réparez, je me débrouillerai moi. Est-il encore sous garantie? Mais enfin, le MacBook est sorti en juin. Donc, si vous saviez compter jusqu'à 12, entre juin et septembre, il n'y a pas 12 mois. Et aux dernières nouvelles, le plan AppleCare sans AppleCare payé, ben, c'est 12 mois. Donc voilà. Donc oui, évidemment. Vous avez acheté votre MacBook chez un revendeur? Dans ce cas, you have to see him. Sorry, allez voir votre revendeur. Ah, c'est moi qui suis sorry, mon bon. Je l'ai acheté sur l'Apple Store. Donc, vous venez le chercher maintenant. Well, ça dépend. Pan. J'ai un fan. Ça va, il y en a un qui suit quand même. Il y a au moins un des pancasteurs qui écoute le pancast. Ça fait plaisir. Alors, ça dépend, ça dépasse. Votre MacBook fait-il trop de noise, de bruit? Et avec tous les mots anglais, hein, j'espère que vous comprenez l'anglais. Hein. Trop de noise, de bruit? En playant de la musique, vous pouvez cacher le bruit? Non, vous venez le chercher. Le top case devient-il jaune, tiens? Change-t-il sa couleur? Celui d'un copain, oui, mais pas le mien. Change-t-il sa couleur? Est-ce que votre laptop a brûlé avec sa batterie? Non, non, non et non. Vous venez me le chercher, oui ou quoi? Ah non, pas possible. Et un échange standard? Sorry, rien n'est standard ici. Un dédommagement? Nope. On n'a pas de money. Mais enfin, je sais pas, moi, remboursez-moi au moins les téléphones vers la hotline. Je sais pas, faites un geste. Well, je vais faire personnellement un geste only for you. Car vous êtes une girl sympa et que vous... Hein? Et que je suis Steve Jobs et j'aime bien votre voix. Tiens, c'est original ça, pour une fois qu'il y en a un qui aime bien la voix d'Alia. Je vais vous faire une remise de 30 euros sur votre extension Apple Care de 320 euros à prendre ce mois-ci. Et exactement, ça fera quoi pour mon problème? Bah, rien, on ne reprendra pas. Super, et mon MacBook, j'en fais quoi? Des TC? Non. C'est incroyable que votre ordinateur que vous fabriquez, vous ne puissiez pas le réparer quand même. Oula, girl, stop crying on me. On dirait le pompier au téléphone quand je suis à la pizzeria. Ce n'est pas nous qui fabriquons les Macs. C'est tellement vrai. Nous, on met juste un plastique blanc autour et on fait le Mac OS X. The amazing new generation of operating system for your... Je m'en fous.
Vous êtes really en colère, hein? Well, I will do something rien que pour vous. Je vais appeler ceux qui l'ont fabriqué et ensemble on va trouver une solution, d'accord? Ouais, ok. Du moment qu'on le répare... Wonderful, j'appelle Paul. Paul? Paul Tellini. Le CEO d'Intel. C'est eux qui fabriquent les Mac now. Je l'ai dans mes contacts MSN, ça devrait aller vite en ligne. Vous utilisez MSN et pas iChat? There's no iChat sur ce computer, c'est only sur Macintosh que... Bon, vous voyez bien que vous êtes sur PC, mais c'est pas vrai. La honte, quand même. La honte, hein. Allô, Paul? Hi? On parlera en français, ok? Hello, Steve. I'm very happy to see you, oh, my friend. Justement, je voulais te parler. Why en français, la conversation? Well, this is Alia. Elle est une Mac user et elle ne peut plus start son MacBook. Could you help us? Of course, no problem. Avant ça, je voulais te parler du VP Row. It's a new amazing technology. Que l'on a mis au point pour les computers dedans 2 ans. Ce sera une plateforme 256 CB with the DDR4. Incredible. And so, avec cela, on utilise un 4 WiMAX 2. Yes, Paul. C'est super. Mais pour en revenir à notre problème de... Attends, il y a aussi le Super High Processor integrated pour les Core Octo, a wonderful billion transition. On y aura intégré les technologies YWTT and the Artivantude version V pour une optimisation fantastique. Avec ton MacBook X, tu vas adorer. Hey Paul, it's amazing, I know. Notre problème de MacBook? Ah, sorry, j'ai tendance à me laisser des fois aller avec... C'est si wonderful, the technology. Moi, usually, c'est plutôt les cours de la bourse, mon trip. Mais là, c'est amazing. Bonjour, monsieur Tellini. Je m'appelle Alia et je voulais... Perfect. Vous êtes une user normale de computer. Et je voulais avoir l'avis de someone out of Intel pour notre ultra-secrète nouvelle technologie. Les processeurs à électrogravity, à des fréquences fantastiques. Ils vont simplifier les motherboards, les cartes mères pour les Français. Car les circuits seront dessinés par des flux électromagnétiques autour du noyau processeur qui fournira alors l'énergie nécessaire à son emploi. C'est incredible. Voilà, oh là, oui, ça a l'air incroyable, effectivement. Hey, don't trust him, miss. Une fois sur deux, ça marche pas. Il parle toujours de trucs de fou. Vous croyez vraiment que je suis passé sous Intel pour gagner en dissipation thermique? On devrait avoir un iMac holographic normalement. Ah, shut up, Steve. D'ici 10 ans, mon new processeur électrogravity va changer le monde. Figurez-vous qu'il pourra directement communiquer avec le cerveau humain dans un rayon de 20 km. Et que la carte graphique, notre TMA 2029, utilisera une interface neuronale par un écran rétinien. Mais pour les yeux, c'est pas un peu dangereux, le machin? Le GMA? Non, le seul souci, c'est le trou noir qui se crée au cœur du processeur. On n'est pas sûr de pouvoir le contenir. Moi, ça pourrait poser un problème. Ouais, on mourra tous en un temps super. Bon, messieurs Tellini et Jobs, je vous le demande gentiment une dernière fois. Moi, Alia, je veux un MacBook qui fonctionne. Vous ne pouvez vraiment rien faire. Sorry, you mean Alia? Alia de Pomcast? Vous connaissez? C'est là où ça devient surréaliste. Parce que de là à ce que Apple nous reconnaisse. Non, Otellini. En plus. Il a suivi. Ah, mais Intel, on a nos chances. Il est en train de lire le texte. Lis et tu verras bien, d'accord? Avec un oui. Lis et tais-toi. Bah. Reprends ta phrase parce que sinon... Vous connaissez? À l'hôpital Velpo. Tu connais pas? C'est un truc de français, ça. Oh là là, là, là. On t'expliquera offline. Bon, il faut la refaire, hein. Je vois que ça va maintenant, je suis bon, là. Allez, une dernière fois. Je suis dans mon rôle. Oui, je sorry. Sais. La Alia de Pomcast. Vous connaissez? Je connais pas. Of course, I'm a big fan of Pomcast et de Stuff MC. Quand il apprend son texte. J'écoute tous les jours le Une Pomme, mais j'adore Vince, le pompier, Rock Rock et vous-même, Alia. Oh, Steve, tu es une andouille. Il a rajouté Rock Rock dans le texte. C'est énorme. Mademoiselle Alia, puis-je venir chez vous pour avoir un autographe? Je suis à côté, à New York. D'ici 4 heures, je suis chez vous. Bah, c'est un petit peu précipité, non? Je sais pas. Moi, quelqu'un peut me dire de quoi on parle? T'occupe, c'est un podcast sur le Mac. Tu peux pas connaître. Please, s'il vous plaît, laissez-moi venir. Bah, écoutez, demain, si vous voulez, il y a une soirée vin rouge avec une majorité des Pomcasters. Ça vous irait? Incredible, je viens, je run, je fly. Et il y aura du monde? Bah, une bonne dizaine de gens, on verra sur place. Attendez, je vais vous donner mon adresse. C'est le... Et moi, je peux venir aussi?
Bah ça dépend. Vous venez avec un MacBook? Je vous en donne un autre, bien sûr, it's easy. Et mes amis les Pomcasters? Steve, allez, c'est Pomcast quoi. Et les auditeurs? Faites-moi une liste de MacKillvall, je les apporterai. D'accord, bien monsieur Job, c'est vraiment gentil, on note. Et les auditeurs donc, nos auditeurs, qu'allez-vous faire pour eux? Ça c'est gloop. Steve, c'est les poditeurs de Pomcast. Well, des autographes. Graf. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et... Bon, un grand bravo à Raoulito quand même. Hein. Raoulito. Le Pomcast n'est pas fini par contre. On n'a pas terminé nous. Merci au public qui sait applaudir et rire quand voilà, il faut. Vous êtes un très très bon public. Vous êtes on le redira. Alors par contre, il va falloir repasser toute la liste des petits billets pour qu'on puisse tirer au sort. Donc voilà. Que quelqu'un les ramasse ou voilà, au moins il casse l'ambiance. Quelqu'un qui a un chapeau par exemple au fond là-bas. Et après on va continuer. Mais bravo par contre à Raoulito parce que là on a atteint les sommets. Franchement, c'était, hein. dans la surréalité. C'était bien, hein, ouais. J'ai adoré. Je trouve que certaines personnes en impro sont quand même pas mal du tout. Ouais. Non, c'est... En impro, ça, c'est mieux quand on lit son texte, mais bon. Je pensais que ce serait catastrophique. Merci, Missou. Ça l'a Merci. Été, mais pas comme je croyais. Merci, finalement. Missou. Donc, ouais. Les 150 bulletins. Il y en a encore, Ah ouais, c'est les petits Suisses, c'est normal. On a toujours un temps de retard avec eux. Allez, c'est je sais bon, pas si on m'entend, mais. Voilà, sinon, on va peut-être revenir. Non, vas-y, parle dans le micro, ça passe. J'ai une question pour Raoulito. Est-ce que tu penses que le pilote est réussi? J'espère qu'il dit oui parce qu'on la refait pas là. régie, on me dit que ça n'a pas enregistré finalement. C'est bon. Il y en a au moins qui écoute. Je sais où il en est le pilote et je sais ce qui se passe. Hein. Et je peux pas vous dire s'il sera réussi ou non, mais je peux vous garantir un truc, ça va être un putain de bordel. Mais vous pensez que les acteurs de ce soir, ils sont bons là? J'avais un doute. Ils étaient comment? Hein? Alors, oh, je rappelle, on est 150 là-haut. Allez, à 3, ils étaient très bien, on applaudit. 1, 2, 3, bravo! Walk a bit. Quelle équipe de mental! Ouais, c'est une équipe de tarés surtout. Hein. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre vous quand même. Pas distribué et Raoulito, il a deux corps. Hein. Il fait chauffeur de salle et Pomcaster. Ouais, bon, alors si on enchaînait vas-y, parce bien, que. Il n'y a pas de soucis. En fait, on voulait parler. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire. On va je parler couille, des. Hein. Ouais, on va parler des. Je fais un petit peu en vrac, entre guillemets. Non, tu, Raya, tu me rattrapes si je suis trop en vrac. En vrac. T'as une copie, toi, de ça, de toute façon? Ok. C'est moi qui l'ai écrit. Je sais pas. Puis ça on suit le déroulement logique aussi, en théorie. Bah, c'est-à-dire que. Ouais, bah, suis le déroulement logique, toi, parce que moi, je vois. En fait, voilà. Donc, on a parlé un peu de l'Apple Expo, et donc, pour revenir aux choses un peu sérieuses. Parle dans ton micro. On a déjà pas mal évoqué les nouveaux iPods. Dans le micro. Pardon, je suis désolée. Et on va revenir. On va parler un peu plus précisément, quand même, de toutes les annonces de mardi soir. Pas tout de suite. Il y a la McLaren à côté, hein. Ils sont tous complètement pétés, hein. C'est normal. Parents, hein, d'un autre côté. Il y a plus de place dans la salle, ils sont tous dehors maintenant. Il y a une deuxième fille dans la salle et je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Bravo. Je me sens moins solitaire pour une fois. Incroyable. Et effectivement, comme le disait le Martien, le gars qu'on a entendu dehors, c'est un mec de l'Ipeda. Ouais, une fille. Bon, sachant que Alia, on l'a pas forcé à venir. Les autres, je sais pas. Voilà, donc déjà en premier lieu, quand même, la question que vraiment, vraiment, on essaie de comprendre, moi ça fait une semaine que je me creuse la cervelle, pourquoi cette date aussi, vraiment, le truc le plus ridicule du monde, il y a des pubs dans tout Paris pour les anciens nanos, le premier jour, donc on a déjà parlé, ils vendaient des anciens nanos partout, le lendemain, les fournisseurs qui n'avaient pas encore les nouveaux nanos, bah, comment voulez-vous vendre les anciens nanos, etc., alors qu'à côté ils les ont, etc., enfin bon, bref, pourquoi ne pas l'avoir fait 24 heures plus tôt, ça, franchement, voire une semaine plus tôt, quoi, c'était vraiment pas la mer à boire. Et c'est limite insultant, moi, je trouve. Pour les bons, à la rigueur, pour le public d'Apple Expo, mais limite surtout pour les exposants qui ont des stocks de nano au début, puis qu'après, on ne peut plus en rien en faire. Ouais. Et puis, une autre question, quand même, une autre question annexe. Pourquoi annoncer une telle renouvellement de la gamme, autant en même temps? Donc ça, on en a un peu discuté pendant l'émission live. Quand Apple fait une annonce comme ça, après, ils ont droit à un article. S'ils avaient fait 3 annonces, une par catégorie d'iPod, mettons à 15 jours d'intervalle, ils auraient eu 3 articles. Là, en les réunissant, ils ont eu un seul article. Donc, moi, je me demande un peu pourquoi ne pas profiter du buzz gratuit que leur fait leur presse tout le temps. Alors, soit c'est parce qu'ils ont un autre truc à annoncer prochainement, ça, bien sûr, on veut toujours y croire, mais
Je vois pas trop personnellement. Je pense pas que l'iPhone soit un truc arrivable à court terme. Enfin, pas plus que Vista, voilà. Et sinon aussi peut-être parce qu'on connaît. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Apple parce que justement ils font un event à chaque fois qu'ils passent le balai dans le bureau de Steve limite. Donc c'est peut-être aussi ils veulent un peu calmer le jeu. Ouais. Et ils ont fait un autre truc incroyable, présenter un produit l'iTV donc avant qu'il soit même le nom finalisé, un truc qui va sortir dans longtemps. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais ça c'est technique Microsoft. Ça ressemble beaucoup à Microsoft. On sortira l'iTV quand il sera prêt. À mon avis, c'est juste du recrutement de partenaires. Il n'y a que Disney pour l'instant sur le store. Il y en aura d'autres et leur montrer que les gens vont pouvoir voir dans le salon. À mon avis, ça les importe beaucoup. Tu crois que c'est un appel du pied, toi ? Moi, pour revenir sur le nano, je suis pas très choqué par le fait qu'ils aient mis les anciens nanos, les nouveaux nanos. Bon, faut bien les vendre. Les gens les vendront. Pour la petite anecdote, je suis parti il y a 2 mois à Londres, donc à l'aéroport, à Heathrow. Et si vous y allez, c'était bien. Écrivez-nous un mail. Je vais dans le stand IFI pour acheter un iPod. Je me dis tiens, je vais m'acheter un iPod. Ah ouais. Et qu'est-ce que attends non ça. Il y en a c'est tiens, je vais m'acheter un magazine pour le vol. Hein. Voilà, bon peu importe. Bon voilà. peu importe. Je voulais m'acheter un iPod. J'en ai que 12 à la maison. J'arrive iPod photo. Pas d'iPod vidéo. Il y a 2 mois, il y avait un iPod photo. Le seul iPod qu'on pouvait acheter, c'était un iPod photo. Et je me dis, marrant, c'est pas mal. Ils doivent le faire pas cher. Non, au prix de l'iPod vidéo, enfin l'iPod 5G actuel. Et le pire, c'est que tu l'as acheté. Non, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, mais je me suis dit, je vais rigoler. Je vais demander au vendeur qui m'explique un petit peu. Il me fait, ouais, dernier cri. Il m'a fait tout le truc. Donc bon, finalement, il y a des gens qui vont le vendre cet ancien nano. Peut-être dans 6 ans, en disant que c'est la dernière des nouveautés. Voilà. Juste un truc, Orny. Maintenant que t'es passé en vidéo, ça marchera plus une deuxième fois ce coup-là. Hein. Ils vont dire ah vous Orny, ouais. Je fous de la gueule du monde quoi. C'est clair. Il y a Gemini qui voulait dire quelque chose. Ouais. Moi j'ai pas bien suivi l'actualité IT là ces dernières semaines, mais il me semble que Microsoft a fait pas mal d'annonces avec le Zune, et je pense que la conf elle était mardi parce que toutes les confs Apple sont un mardi, pas la semaine dernière parce qu'il fallait être après Microsoft. Ils en avaient pas grand chose à faire de l'Apple Expo, ils ont préféré flinguer le premier jour de salon, flinguer les pubs dans Paris, parce que le marché de l'iPod il est aux États-Unis. Aux États-Unis il faudrait qu'on ait quelqu'un qui nous dise bah voilà les annonces Microsoft elles ont été perçues, et après il y a eu la conf Apple qui a modifier les choses. Je pense qu'on a un regard beaucoup trop français sur la politique d'Apple. Ceci dit, moi je lis. C'est United States, the world and the rest of the world. Voilà, mais ceci dit, moi je suis beaucoup le monde et le reste. Un des journaux que je lis régulièrement, c'est le New York Times. America, et donc cette semaine, forcément, dans la chronique high-tech du New York Times, il y a eu l'article sur les nouveaux iPods et l'article sur le Zune. Sachant que l'article sur le Zune, donc je ne sais pas quand est-ce que Microsoft a fait ses annonces, mais l'article sur le Zune, il a été le jour d'après l'article sur les iPods. Donc du coup, voilà. Du coup, ceci dit, partout, ça disait dans l'article, mais ce n'est pas aussi beau que les iPods d'hier. Donc ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Bon, on me dit que... On est en train de martyriser ton chapeau, désolé. On me dit qu'on va pouvoir tirer. Oui, on va tirer des auditeurs. Il faudrait que ce soit la seule femme de l'autre. Je pense qu'il tire. On peut l'applaudir, ouais. Ouais. Orny, t'as bien dit, la seule femme de la pièce, c'est ça. La seule femme dans le public qui vient de tirer dans le chapeau, moi je dis. Ouais, on va en faire 2, on va en faire 3 et après on retournera 3 fois. Donc non, Stuff, je refuse que tu tires le dans le chapeau. Ouais. Non, je plie auditrice. Là, je ne tire pas, je plie. Parce que le plier en 2, c'est malin, mais on voit ce qui est écrit à l'intérieur. Mais on s'en fout. Va jusque là. J'arrive. Voilà, on va aller jusque là. Alors ce qui va se passer, c'est que maintenant on va en tirer, on va dire 3. Et on va donc inviter les uns après les autres, tout doucement, à choisir une licence. Et en sachant qu'on a plein de choses. Il casse tout lui. Attention aux pizzas. Et tu me ramènes donc le. Ouais, donc voilà. Ah, il faut lui donner le micro. Et non. Ah, c'est pas mal là. Bon, t'es la première à aller choisir ta licence, vas-y. Hein. En fait le plus simple, c'est qu'on va mettre des numéros en fait, tu vois. On va mettre des numéros, ouais. Donc elle s'est auto-tirée là, j'ai pas bien compris. Des numéros en fait. Ouais, enfin faudra quand même lui offrir. Moi j'ai déjà vu la même chose avec une tombolade. C'est Jacques Martin qui veut faire le premier prix, une croisière avec Martin, et c'est aussi lui qu'on a tiré. Pour les choses, on va mettre des numéros, et après les gens passeront dans l'ordre de leur numéro pour choisir la licence. Ouais, mais pense au numéro. Ouais, mais il est où Laurent? Ah bah voilà, tu seras le deuxième. Et un troisième, et après on continue et on refera une pause. Alia, maintenant on va jouer. Xavier, et voilà, tu seras le troisième.
Je vais les numéroter après. Ouais. Hop. Et après, il faudra aller de l'autre côté de la salle, là-bas. Tout là-bas. Ils font une émeute. Moi, je voudrais juste dire... Vas-y, tu mets l'ordre. Ouais. Je voudrais juste dire que... Ouais, pour finir un peu sur cette histoire de... nano, machin, truc. Je crois que Jimini a plus ou moins raison et on est tous plus ou moins d'accord que... on a un regard beaucoup trop français, enfin moi déjà pas un regard français, beaucoup trop européen sur la chose. Apple c'est une boîte américaine, donc ils en ont un peu rien à péter du reste du monde. Le plus gros business c'est de l'iPod, c'est vrai, c'est en même temps quand on voit la part de marché des MacBook sur le marché américain et sur les autres, on peut comprendre. Alors certes parce qu'ils font beaucoup plus d'efforts pour les vendre aux États-Unis, ouais, mais aussi, mais voilà, ils ont. Oui, ça marche pas ça parce qu'en fait, même s'ils vendent plus par rapport au pays, dans le monde entier, ils vendront plus d'ordinateurs que de Mac que aux États-Unis. Aux États-Unis, Apple ouvre en moyenne un Apple Store par semaine. Ouais. Hein. En Europe, c'est un par mois et encore, on sait même pas, en France, non, et dans le reste de l'Europe, à peine. Et c'est quand même, les Américains, quand ils veulent acheter leur ordinateur, leur Mac, ils vont pas sur l'Apple Store en ligne. Non, la plupart du temps, ils ont un Apple Store près de chez eux. Ils y vont, ils vont voir, ils regardent, ils comparent et ils ressortent directement avec leurs produits. Ouais, on en vend beaucoup plus comme ça. T'énerve pas, ça va aller. Si, je m'énerve, je veux un Apple Store en France. Ceci dit, Apple en Europe, on se demande toujours s'ils se développent aussi bien que ça. Bon, il y a ce fameux Apple Store de Regent Street à Londres qui est très chouette. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est toujours rigolo. Mais en Angleterre, ils ont fait une expérience avec Tesco, qui est l'équivalent de Carrefour ou Auchan à peu près, et qui a la spécificité de n'être pas une chaîne multinationale. C'est qu'une chaîne britannique. Enfin bon, ils sont peut-être développés ailleurs, mais c'est britannique. Et ils ont fait un test. Donc, ils ont installé un Apple, encore un beau corner comme dans les Fnac Digital, dans un Tesco. Chips. À peu de choses près, et c'est un marché du feu de Dieu, donc a priori ils vont se développer comme ça en Angleterre. Donc finalement ils sont en train de, comme je pense aussi qu'ils vont développer les Apple Store également, ça va vraiment quadriller à fond le marché britannique. Tu pourras me la baïonner que pendant un peu moins. Non, le micro, faut le mettre devant. Et je crois qu'il y a des expériences en plus... en France avec des corners à Carrefour. Ouais. Attends, un truc pour Rockrock, parce qu'avant qu'il casse la table, juste pour dire, t'as oublié un détail, c'est qu'en plus, quand ils vendent n'importe quoi à $99 aux États-Unis, ils ont le fameux taux de conversion qui les amène à 99 € en Europe ou en France. Et moralité, je suis pratiquement sûr que Apple vend des ordinateurs aux États-Unis, mais fait des profits dans le reste du monde. Et ouais, je partout, avec 20% de TVA en France, je crois pas. Ce qui fait qu'on a des meilleurs SAV des ordinateurs reconnus, enfin des différentes marques, les meilleurs SAV, c'est aux États-Unis, c'est Apple. Alors que franchement, on a tous vu dans le tripi que c'était loin d'être le cas. En tout cas, en Europe, ça c'est clair. Mais pour en revenir sur les Apple Store, c'est rigolo parce que le seul magasin... Tout le monde m'en veut là pour les Apple Store. Non, mais le seul magasin. Ça pour rigoler, les mecs. Ah, tu nous as cherché. Le seul magasin dans la région lilloise où tu as des Mac et où tu peux prendre ta machine, tu peux prendre d'ailleurs des super. C'est un magasin hollandais. Non, c'est un magasin qui s'appelle PC City. Ça s'invente pas. Et c'est le seul magasin où vraiment tu as les machines que tu peux essayer comme tu veux et tu as les cartons en dessous et les gens ils arrivent, ils prennent les Mac, ils vont à la caisse avec quoi. C'est des magasins comme ça. Non, pas vraiment, non. Ceci dit, on va recevoir un iPod photo bientôt. On s'interroge depuis quelques temps quand même et en fait on fait plus qu'en s'interroger, on constate tous les revendeurs Apple qui revendent que du Apple, bah ils sont lentement mais sûrement en train de tous crever un par un, sachant qu'ils font du 3% sur tout ce qu'ils vendent. Vous imaginez combien, vous calculez combien de Mac Pro il faut vendre par jour pour réussir à vivre décemment, surtout s'ils ont un local à Paris. Et quand vous sachez, quand vous savez que Stuff, par exemple, en ayant juste une bannière sur son site... On ne dira pas combien il gagne, mais... C'est à cause de Stuff que les revendeurs Apple en France sont en train de couler quand même. Ça suffit maintenant, Stuff. Les gens comme Stuff, quand vous achetez un Mac après avoir cliqué sur la bannière de l'Apple Store sur n'importe quel site... Vous payez deux fois. Vous payez deux repas, le site gagne, l'hébergeur, enfin la personne qui héberge le site, par exemple Stuff ou MacBidou, n'importe qui, gagne 2,5% du truc. C'est-à-dire un demi de moins que ce que gagnent les gens qui ont des frais incroyablement différents. C'est absolument pas la même échelle. Bah nous aussi, on a des frais. Oui, on a des frais, c'est vrai. Mais tu payes pas un loyer à Paris pour ton store, puisque sauf si vous. Non, c'est Rockrock qui paye le loyer à Paris. Tu peux pas parler. Alia a pris ton temps de parole. D'ailleurs, le chapeau, je sais pas qui il est, mais on le garde à la fin. On fait une quête pour nos faux frères. Ah, Vincent. Ouais, oui. Juste rajouter un petit truc pour retourner sur l'ITV. Personne n'a pensé que sur l'Apple Store, les vidéos qui sont vendues, donc qui sont censées après être diffusées sur la vidéo plasma. Et Steve a dit oui, vous avez tous un gros écran plasma et tout ça, qui a une résolution HD. Comment on fait pour diffuser une image qui fait un timbre poste, qui fait 640x480, sur un écran plasma qui a une résolution qui fait 4 fois plus? T'as une image de merde.
Mais c'est bien pour ça que le produit sera disponible quand tu seras disponible. Il y a quand même un gros problème dans la truc de commercial d'Apple, c'est de prendre une petite vidéo pour la diffuser sur un gros truc. C'est, ils ont pas capté quelque chose là, je crois. Quoi, c'est 720 là. Attention, ce qu'on dit pas, c'est que là on est en 640 par 480, donc en 4 tiers. On n'est pas en 16:9. Donc ça veut dire quoi? Il faut un scalaire, il faut un truc, ou alors ils vont faire les télés. Et ils vont sortir des nouveaux formats. Mais aujourd'hui, il est clairement impossible que ce soit sur du 720 ou du 1080. C'est clair, c'est clair. De passer du 640 par 480, le parce que quoi qu'il arrive, il y a une distorsion monstrueuse. Apple, ils ont leur super format H260, je ne sais plus combien là. 4. Ouais, 4. Avec lequel on stream ce soir. Ouais. Et qui nous permet d'avoir une super belle qualité grâce à Dins, timbre poste qui est beau. D'accord, mais il n'y a pas de démultiplicateur. Il faut un démultiplicateur de ligne. Il faut donc un scalaire pour passer en 1080. Ouais. Peut-être qu'ils vont développer tout un truc d'algorithmique pour que un nouveau codec qui marchera aussi bien sur un iPod que sur une télé, tout en étant une taille minimale. Ça, j'en doute un petit peu parce que quand tu as une vidéo qui est un timbre poste, même si la compression est très bonne, tu la montreras jamais en 1080 ou en 720p. Non. Alors que les écrans plasma, ils affichent du 1080 ou du 720p. Ouais, et je pense pas que tu fasses des miracles pour multiplier par 5. C'est pas vrai, Vincent, dans les experts, quand ils arrivent à zoomer sur la vidéo pour un ça, c'est de la post-production. Ça, c'est de la post-production. C'est des effets spéciaux, tu vois. Mais juste un truc. Dans ce cas, ils font peut-être comme Amazon, c'est-à-dire on peut acheter le DVD en full quality, le downloader en grande qualité, et en prime, on peut downloader en petite qualité pour son iPod. Non, mais pour 4 euros de plus, tu vas l'acheter à Carrefour. Je pense que là ils ont augmenté la qualité, point barre. Ils ont augmenté la qualité. Je pense que quand ils sortiront l'Apple TV, ils seront forcément obligés de sortir une nouvelle résolution. Le iTunes Store, on voit pour le moment, c'est vraiment une ébauche de ce qu'on va avoir vraiment quand ils seront sortis l'Apple TV. Donc vraiment, de format de diffusion vidéo. Je ne veux pas dire de bêtises, mais le DVD, jusqu'à présent, ce n'est pas du HD. Et pourtant, tu peux quand même regarder un DVD sur ton écran plat. Ouais, mais la qualité. Ah, c'est pas la même qualité. Il y a vraiment une différence. Je suis d'accord. Et sachant que la résolution que iTunes propose est inférieure à DVD. Voilà, sachant que moi, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il raconte. Je pense que la cure de cible du marché d'Apple ne comprend pas non plus et achètera quand même. Oui, mais non, Alia, on parlera des films de Disney après. On va parler en même temps, donc on a pas de piste. Vous avez raison, taisez-vous, je vais parler. Actuellement, ton temps de parole, désolé. Actuellement, encore entre Ali et Orny, je me prends la parole. quand même, les vidéos mises en ligne actuellement sur l'iTunes Store, donc en 640-480, font déjà plus d'un giga. Ouais, c'est donc clair. À télécharger déjà, c'est pas mal. Hein, bah, une bonne free, ouais. Alors si en plus ils augmentent la qualité et on a 2 ou 3 gigas à télécharger, ça tient sur un DVD, autant vendre le DVD directement. J'ajoute qu'ici, il n'y a strictement personne qui a pu acheter un movie ou même un clip vidéo en ligne pour une bonne raison, ça n'existe qu'aux États-Unis où malheureusement ils sont en plus moins équipés en ADSL que nous. Donc en 56K, un film de 1 giga, environ 3 semaines. ouais, le clip vidéo aussi. Ouais. C'est pour voir mieux le stream de... comment il s'appelle? Vince. Alors, normalement, les vidéos doivent passer sur les Apple 5G puisqu'on peut monter dans les résolutions, je crois, justement jusqu'à 640 par 480. Ça reste à voir. Et il y a un autre problème aussi, enfin que je trouve qui va être bizarre, c'est comment Apple compte faire passer un flux HD à travers du Wi-Fi. Ça faudrait qu'on m'explique. C'est vrai parce que le débit vidéo d'un film HD encodé en H280 ou autre chose, c'est quand même un bon débit. À mon avis, ça dépasse le Wi-Fi. Ouais, c'est parce qu'ils ont des super codecs chez Apple. Ouais, ils n'ont pas dit quelle norme. Enfin, en tout cas, pour terminer sur l'iTV, pour le moment, iTV plus l'iTunes Store, c'est un gros bordel. On attend de voir comment ça va se clarifier. L'interface, quand même, est relativement nouvelle. C'est quand même la chose de bien. Hein. Oui, bon, d'accord. Même s'ils ont piqué, racheté Coverflow, même s'ils ont racheté la Coverflow, il n'y a pas de problème. En tout cas, quand même, iTunes 7, même si ça a des bugs, est quand même une bonne évolution par rapport à iTunes 6. Ça vous motive pour passer la soirée à aller copier-coller des couvertures d'albums partout. La bonne évolution, c'est que ça a niqué mon PC, donc j'ai plus qu'à m'acheter un Mac. Mais attends, ça se dit, tout à l'heure, j'ai eu un gros bug dans mon disque dur externe. Je me suis rendu compte progressivement, tous mes fichiers, un fichier sur deux dans iTunes, se lisait plus. Et quand je faisais un pommaire pour les retrouver, ils étaient plus reconnaissables par rien du tout. Au début, un ou deux, je me dis, tiens, c'est un drôle de bug. Au bout de 5 minutes, plus aucun fichier musical. Et après avoir vérifié, plus aucun autre fichier du tout. J'étais très malheureuse parce que j'ai toute ma collection de photos que je n'ai jamais sauvegardée sur ce machin. Et iTunes Music 7, iTunes Store numéro 7, c'est le premier virus sur Mac quand même. J'ai accusé iTunes et finalement,
Au bout de 5 minutes, le disque dur s'est remis à marcher tout seul. C'est-à-dire que demain, le premier truc que je vais faire, c'est sauvegarder mes photos. Maintenant, ça m'aura servi de leçon. Mais en tout cas, il y a quand même... par exemple, je sais pas, un truc que j'ai remarqué qui m'a beaucoup énervé. Vous avez, mettons, je sais pas, 25 chansons. Stop, tu peux plus parler. Il y a Alia qui a pris ton temps de parole. Hein. Désolé. On sait bien que je prends le pomp-parole de tout le monde, mais c'est comme ça. J'ai perdu 2 points à l'audition de l'oreille droite. Hein, j'ai une question. Si par hasard, demain, la ITV sortait, combien de personnes ici qui en achèteraient un? Levez la main, s'il vous plaît, ça va aider. Il y en a un, d'accord? Un sur 250. Non, mais pas vous. Ouais, mais non, mais pas deux. Ouais. Bah, ça streamera autre chose et que ouais, avoir voilà. Et puis avoir, tu peux nous dire pourquoi tu l'achèterais? Ouais. Parce qu'il est pas chez Free et qu'il a pas de... si, je suis chez Free mais je suis pas en dégroupé, donc d'accord. Les trucs de Free. Ouais, t'en profites pas hélas, ouais. Ouais. Et puis ça s'intègre bien avec le Mac Mini et tout ça. Donc, ouais, c'est clair. Alors, après avoir effectivement, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Voir dans le détail ce que ça fait. Bah oui, c'est clair. Je trouve ça un peu cher personnellement. Bah ça dépend ce que ça fait. Ça dépend ce que ça fait. C'est pas trop. Si t'as un disque dur et tout dedans qui s'est stocké du brawl, tout ça, ça va. A priori, il n'y a pas de disque dur. Enfin, bon. À voir quoi. Si, peut-être. Si possible. Ouais. On aura dû entendu le si peut-être, mais pas la question. C'est très pratique quand on fait la question. La question c'était en dégroupé, il n'y a pas le free player. Ouais. Tu disais si peut-être, c'est possible, voilà. Il doit être quand même. Okay. Ayez le réflexe d'ailleurs quand quelqu'un n'a pas eu le micro de répéter la question avant, c'est un peu naze. Bon, on me signale qu'on va retirer. On va terminer avec l'iTunes. Ouais, mais on va retirer avant. C'est la pause pub. Hein. C'est la pause tirage. On retire tout ? Non, on retire en 5. 5 ? Oula, 5. Et tu mets le numéro. Alors je voudrais juste dire pendant qu'on va tirer que à la fin de l'émission il y aura des mugs à vendre qui sont normalement qui sont normalement pour tous ceux qui ont gagné une licence le droit d'acheter un mug pour donner de l'argent. Père Pal Nord. On le vend le prix de la licence. On y va. Hein. Non, qui seront en vente au prix de 15€ en fait les mugs. Il coûte un peu moins cher, genre 8 ou 9 euros, mais il faut quand même un petit peu. 8 il veut juste pas rentrer en Allemagne, avec. Mais les voilà, mags. Pour faire un peu de. Pour faire survivre un peu. Ouais, alors aussi, sinon, après qu'on va avoir fini, s'il y a des gens qui sont motivés pour rester, pour tenter un bidouillage sur un iPod. Voilà. Avec un marqueur. Je n'en dis pas plus pour le moment parce que. C'est Lionel de McBidouille. Sors de ce corps, Lionel. On t'attend. Ouais. Non. Et puis j'ai encore 2-3 t-shirts. On a pas décassé et on va tenter un bidouillage dessus. On va le filmer, on en parlera. Donc on va tirer, on me fait signe. Alia, on me fait signe que tu as dépassé ton temps de parole. Merci Alia. Voilà. Et on a un petit Suisse. Celui du Martien. Je pense Louchon ou Luchon. Voilà, ouais, un petit Suisse. Bravo les petits Suisses. Là, de la chance qu'on l'ait attendu. Quatrième position. Tu pourrais déplier, d'ivoire. C'est moi qui fais tout, là. Alors, dans ton cul. Voilà. Bravo. Ah ouais, parce que... Le petit détail... Ouais. Ah, t'as pris le micro, ok. Ouais, puis le petit détail, c'est que Stuff avait jamais capté que ça faisait ça, ton pseudo, au début. Ouais, il a fallu qu'on lui dise. Et tu déplies cette fois, hein. Bon, ça va. C'est pas parce que t'es première que c'est fini, hein. Sphinx, encore un petit Suisse. Ouais. Bon, si vous dites que c'est pas juste pour les Suisses, ils sont venus vraiment de loin pour venir pour nous voir. Ouais, ils sont venus même. De loin. Ouais. Depuis qu'ils sont là, on a doublé le nombre de personnes dans la salle. Hein, donc, Malox. Ah bah oui, carrément. Ah bah t'es suisse aussi, dis. Non, ça va alors. Ah mais non, c'est ton chapeau qu'on tire, oui. Pendant un petit intermède, Vince, peux-tu nous dire s'il y en a encore qui nous écoutent le stream ou si ça, on peut éteindre la caméra? Oui, mais il n'a pas le micro. Il y a toujours ceux qu'on parle. Viens nous dire, viens nous dire alors. On répétera. On répétera, dis-le nous, on répétera. Jean-Michel. Il est pas là. Ah, bravo. Jean-Michel qui a accepté d'être esclave vidéo et qui passe et une un super petit soirée pour la debout à côté de la vidéo à vérifier que le bouton reste allumé. Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je vais dire les logiciels qu'on va offrir. Et le moment est venu de filmer Vince. Ouais. Et là, et c'est pour tirer le premier Olivier prix. Olivier 06, je pense, de Stuff, non ? Notre photographe officiel. Bravo.
Voilà, on verra la suite. T'en tout as tiré à l'heure. Combien 5 oh, bon, je viens de réaliser que de toute façon, je peux quand même donner la liste de logiciels qu'on va ouvrir, puisque de toute façon, il y a des numéros. Ouais, voilà. Il n'y a pas de suspense. Alors, attention, il y aura. Numéro 1. Il y aura de quoi se servir. Il y en a qui ont vu la démo sur iSaver. Donc, bah, si vous êtes dans les derniers, vous aurez moins de chance. Il y a deux iSaver. Donc, c'est pas des licences, ça, mais c'est vraiment des iSaver pour nettoyer. Donc, d'abord, vous mettez de l'huile et ensuite, vous nettoyez. Hein. et ensuite, dans le désordre des licences qu'on a, on aura évidemment une licence de GarageSale, une de WebNote Happy, une de CoverBuddy, une de Memory Miner, une de Eyeglasses. Une de One Again Rain. Bah, c'est-à-dire que des logiciels qui ont un nom français, une de Camembert 3.0. Une de... C'est vrai? One Again Rain. Non, Camembert 3.0. Camembert 3.0, ça s'appelle Excel quand tu veux faire des graphiques. Hein. Ouais, une, soit de Call Recorder, soit de Conference Recorder, c'est le truc pour enregistrer soit dans Skype, soit dans iChat. Donc c'est l'un ou l'autre en fonction de si vous utilisez iChat, en fonction de ou si vous, ou de skipper, en fonction de si vous utilisez iChat ou un bon logiciel. une licence de iDive et donc de Aquafadas et puis une licence de Pulp Motion, je lui ai pas demandé mais je suis sûr qu'il sera d'accord. Vous voyez hein, les relations que j'ai avec les gens avec qui j'interview. Une licence de Sandvox de Carelia quand même. Une licence de ChatFX, le truc de scripting software. Fait, est-ce que tu nous précises à chaque fois si tu auras demandé juste pour savoir, parce que peut-être qu'ils vont avoir des licences. ChatFX, le prix si à tout le monde sauf Pulp Motion parce que c'est tellement nouveau que j'avais pas encore vu en fait. Comment? En fait, il y a plus de cadeaux de gens dans le public. Non, c'est exactement. Pas tout à fait. Ça tombe bien, c'est exactement le nombre. Je te rappelle que t'as pas été tiré au sort. Ah, il est aigri. Donc voilà. Et Potion Factory, on en a une de chaque. Donc une de Voice Candy et une de Podcast Makers. Donc ceux qui veulent One Again Again. Ceux qui veulent se mettre à faire du podcasting, il y aura Podcast Maker qui aidera. Alors là, on aura trois licences de Liquifile. C'est quand même une application formidable puisque je viens de la localiser en français. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que Steph dit... Avec notre aide, on... Voilà. Ouais. Quand Steph dit « j'ai localisé l'application », il écrit le truc, il dit « bon, allez, téléchargez, dénouez votre avis, là, allez, dans les 5 minutes, parce qu'il faut que je la rende et tout. » Sinon, on s'engueule. Ça m'arrangerait hein, si d'ici pas, les vite. Prochaines heures, vous ayez tous répondu et corrigé et tout et tout et tout et tout. Après, évidemment, personne ne répond. Ouais, enfin, il y a quand même un gros travail de traduction derrière débile. Hein, malgré le debugging, il y a quand même un gros travail de traduction. C'est clair. Ouais. Et bah, c'est tout, en fait. Je sais de quoi je parle. Évidemment, parmi tous ceux qui sont là-dedans, on tirera à la fin, au sort, quelqu'un qui partira. On a oublié le gars du web. Mais non. Mais non, mais non, c'est prévu. C'est ça qui... Ben non, le gars du web, il gagnera une de ces applications-là. Celle qui reste. Mais voilà. Par contre, ouais, voilà. Par contre, le gars du web, il gardera. Bon, je suis désolé, le gars du web. Il avait qu'à venir. Tu gagneras ce qui restera. Non, moi, je l'aime beaucoup, le gars du web. Je sais donc, pas qui c'est, mais. Voilà. Tu prendras ce qu'on te donnera. Et on ne dira évidemment tu pas prendras qui ce qu'on a gagné quoi, parce que sinon, ça fait un peu genre. Oui, ben écoute, c'est toi, t'es la dernière application, personne n'en voulait. Bon, en clair, ce qu'on va vous donner, c'est les numéros de série qui permettent d'avoir officiellement ce que vous avez déjà tous sur vos ordinateurs. En ligne, alors 9, piraté, 8, voilà, 8. Alors, ça n'est pas contre, vrai, ça n'est contre... pas vrai. Par contre, ouais, et donc quand on aura tiré tout ça, on tirera le gagnant de l'ITV. donc, voilà. On a une question dans le public, alors on va tout de suite switcher. Mais est-ce qu'il y a un micro dans le public? Mais déjà. Ah voilà, ok. Vas-y. Je regrette qu'il n'y ait pas le bibi du martien quand même. D'accord, est-ce alors si c'est pour dire bien, ça. Non, est-ce que tu veux bien? Non. Il y tient beaucoup. Hein. C'est mon bibi. Bah sinon on va donc sinon pour revenir un là, petit je suis peu super à ma jolie petite liste. Il y avait juste des petites raisons. On a collectionné cette semaine quelques petites raisons. Encore pour lesquelles ce fameux iPod avec que un écran et puis une molette virtuelle n'arrivera peut-être un jour. Il y a quelqu'un c'est qui a dit, je sais plus qui c'est, qui on parle. A fait un dîner ensemble. Ah ouais, de parler. On a fait un dîner chez Alia, on était plus nombreux que ça, tout le monde. On est beaucoup dans la salle. Hein, ouais, super. Après, on a fait un dîner chez Alia, on a filmé. On n'a pas du tout encore mis online pour des raisons de rush. C'est quelque part pour des raisons qu'on avait tous picolé, qu'on voilà. était tous complètement bourrés à cette soirée. Non, mais enfin, en tout cas, au milieu des vapeurs de l'alcool, il y a quelqu'un qui a dit mais enfin, franchement, qui a envie de tenir un iPod dans sa main pendant au moins une heure et demie de film? C'était l'homme derrière la caméra. Voilà. Oui, voilà. Mais le problème, non, le voilà, écoute, voilà, bon, c'est vrai que quand vous êtes dans le train, vous dites ça serait bien d'avoir un iPod pour regarder des films. Oui. Il y a tout le monde, tous les gens qui regardent des films, ils ont leur ordinateur et regardent des films dessus.
Voilà, oui, sauf la PSP. Voilà, bon, la PSP, si l'écran est assez gros. Voilà. Donc, ça, c'était une raison. D'un autre côté, la PSP, les marchés des films UMD, c'est en train de se casser voilà, la gueule. Voilà, justement, c'est ce qu'on voit. Je crois pas qu'il y ait tant que ça de monde que ça qui les achète. Quoi. Bah, tu craques, tu mets en DVD. Il y en a, mais pas beaucoup, justement. La PSP ne marche pas beaucoup au niveau des films. Et les lecteurs d'Arcos qui sont faits spécialement pour cette fonction, donc ce qu'on aimerait voir dans l'iPod, ne se vendent pas si bien que ça. Donc, premièrement, est-ce qu'on est sûr qu'il y a un marché? Et il y avait une deuxième raison intelligente, mais je la retrouve plus. Ah bah bravo. Non, ouais, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que justement sur notre mailing list dont on parlait, là, Alia a posté un truc, je ne sais plus quoi, en disant « Oui, Vista, Vista, c'est comme l'iPod vidéo, ça arrivera en 2008. » Enfin, l'iPod vidéo, c'est comme Vista, ça arrivera en 2008. Et moi. Je voudrais juste c'est rajouter, si, si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Je ressors le mail tout de suite. J'ai redéterre la hache. Nous avons dans cette pochette ton mail. Attention. Je vais chercher ton powerbook. J'ai dit « L'iPhone est en train de devenir presque aussi mythique que Vista. » Et voilà. C'est pas pareil. Mais bon, et je voulais dire, et c'est arrêter. Différent, j'étais d'accord avec Scorny. Moi je dis après. Juste arrêter, arrêtons de dire pourquoi cet iPod ne vient pas. Parce que non, mais si, on Apple peut se demander n'a pourquoi. jamais dit il y aura un iPod vidéo avec non, un écran de 28 pouces. Orny, ça je suis bien d'accord, mais on pourrait se dire que c'est une évolution. Alors que Microsoft, logique. Lui, ça fait 5 ans qu'il dit Vista, oui, ça arrive demain. C'était donc, pas voilà, du tout une accusation donc, d'Apple quand je disais que l'iPhone était mythique. C'est vrai que c'est mythique, on en parle, on en rêve, on voit un fake dans 20 minutes même. Enfin. Et voilà, c'est plus c'est pas qu'un mythe, toi, quoi. C'est le monstre du Loch Ness. Tout ce qui tourne autour d'Apple aujourd'hui, toutes ces rumeurs, au début, ça leur est bénéfique. Aujourd'hui, je pense que ça leur dessert un petit peu. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que des rumeurs sur le gadget. Il y a un rapport fantasmagorique à qu'est-ce qu'ils vont faire. Jamais rien dit. Quelqu'un a une opinion dans le public dimanche. On est en train de comparer Apple à Microsoft. Non. En disant, ah, c'est la non, même non chose. Mais c'était je comparais pas vraiment. D'opinion. C'était pour être drôle que j'avais dit ça et ça a beaucoup choqué Orny. Tu me l'as énervé, hein. Ça y est. Hein. Je vois ça, oui. Ça doit être pour ça qu'il est tombé de sa moto. Oui, bon, ça va. Personne n'irait alors dans le public là, un iPod vidéo, un film, une heure et demie dans le TGV, personne. Ok, d'accord. Moi, en fait, moi, c'est lui et la pote. Là. Moi, j'ai regardé des films ouais, sur mon iPod vidéo. J'ai surtout joué. Depuis qu'il y a les jeux, j'ai quand même joué. Ça fait 4 jours, il a déjà des scores de malade. Par jour. Orny a téléchargé 3 jeux. J'ai téléchargé 3 jeux. Ça fait 3 jours que ça dure. Et j'ai fait, je sais plus, minuit, 5h30 du matin sur c'est le poker. Quel jeu ? Sur le poker. Donc Orny n'arrête pas de nous dire « Oh, j'ai pu venir qu'aujourd'hui, je travaille, j'ai pu venir qu'aujourd'hui à l'Apple Expo. » En fait, il est en train de jouer sur son iPhone de mardi. Quoi qu'il arrive, je me couche tous les soirs à 5h du matin. Mais bon. C'est vrai. Le soir à 5h du matin, c'est le d'où, matin. D'où le doux qui se lève à 2h de l'après-midi. Ouais, il est peut-être pour quelque chose. Puisqu'il peut publier juste avant que vous vous levez. Mais je précise, je travaille. Enfin. Bah écoutez, on va comme dirait Steve, on va terminer tout doucement, c'est ça ? Oui, c'est tout doucement. On va terminer tout doucement. Comme disait Bibi à l'époque, en vous donnant complètement la parole si vous avez des envie de réagir, donc poser des questions n'importe quoi de déclarer votre amour à Steve comme un auditeur auditeur qui l'a fait l'autre jour à l'Apple Expo, donc c'est pour ça que je sentez-vous le droit de le faire parce qu'il y a un auditeur qui l'a fait. Donc, si vous avez les coordonnées de Lionel aussi, si vous pouvez les donner son numéro de portable. On me fait signe que l'on va retirer. Ah, retirons. Il en reste combien? Qu'est-ce en qu'on fait tire quand même chez Pomme, chez Pomcast hein. C'est une équipe de tireurs. Hein? On a que deux filles dans notre auditorium, mais qu'est-ce qu'on tire? On en a fait 8. Il doit en rester. Il doit en rester en fait 8. Vince, on a des mails ou quelque chose là-bas? 8. Des mails ou des. En fait, c'est comme dans huître. Stuff, c'est bien, stuff, c'est 100 euros, mais c'est Memory Miner. Et des questions ? C'est Paul, le suivant. Même si on a bientôt fini, on s'en fout, ouais, elles n'ont rien à faire. Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui nous envoient des questions ? Oh, merci. Enfin, donc c'est Paul qui nous écoute. Hein. Ouais. Bah, on t'entend dans le micro. Hein. Non, il est juste normal. Shooté par la fatigue. Non, il est juste normal. Expo et d'un week-end de folie avant. Boris. C'est pas pour dire, mais Paul, il avait... Vas-y, Paul. Ah, ça, après, on va croire qu'il a pas de charisme, le pauvre. Oh. One more thing. Stéphane. Bravo. Et heureusement qu'il n'y a pas vraiment 150 personnes, hein, parce que toi, t'étais pas couché. Hein. Jean-Noël, pardon. Ouais.
Ça, on sera vraiment à l'école des fans. 10. On voit la fin, hein, plus que 4. Mathieu. Ouais. Plus que 3. J'ai cru que c'était toi, Marcel. Bah ouais, complètement. Putain, ben non, quelqu'un de sympa ben qui a mis mon nom. La maman à Steph. T'as pas le droit. J'aurais juste dire que le Martien vient de me faire une remarque impertinente. La prochaine fois, on tirera au sein des pommes castors, en fait. Ouais. Parce qu'il voudrait bien aussi avoir des licences. Jiminy. Bravo. Ouais. T'en fais des papiers. Et... Jute en papier, t'es. C'est énorme. La dernière. Calor. Ouais. C'est qui? Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça dans la salle. On applaudit, mais s'il est déjà parti, il n'y aura pas. Hein. C'est toi. Et le dernier. Bravo. Le dernier, c'est Seb. Bravo. Ouais, bravo. En fait, l'avant-dernier, parce que le dernier, ce sera le gars du web. Il n'y avait rien. Ceux qui n'ont pas été nommés ont gagné la BMW qu'on a vue en expo tout à l'heure. Il y en a donc deux parce qu'on a fait pratiquement. Bon, on est vraiment désolé pour les 100 ou 200 personnes qui n'ont ouais, pas de. Désolé pour les 200 autres. Hein. Ouais, je pense qu'on va. On va, oui, donc tout doucement. Est-ce que vous avez envie de. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le micro pour dire oui. N'importe quoi? Il y a Vince qui veut le micro pour dire des paroles des auditeurs qui sont en train de regarder en stream. Mais comme il n'y en a pas, il va devoir inventer des mails. Allez, invente. Non. Il y en a qui demandent n'importe quoi, donc. Ouais. Autant que je sache. Une bonne réponse, ouais. On a des auditeurs. Mais ils ont, quand je même, pense qu'ils ont un petit peu fumé là-bas. Hein. On n'a pas eu forcément tout le texte, hein, donc on va le refaire juste pour l'audio. Donc. Les je vais poser les questions. Est-ce que les t-shirts de Spreadshirt gèrent la transparence? Oh, coquine. A priori, oui. Le logo, oui, mais les t-shirts, non. Est-ce qu'ils sont mouillés? Oh, non, coquine. Donc, ouais, pour terminer, je sais pas si parmi les 150 personnes qui sont parmi nous ici, il y a quelqu'un qui a une question à nous poser personnellement à nous sur notre vie privée, donc par exemple sur le passé psychologique de Raoulito. Ou sur le futur divorce là, de Rock. Passé psychiatrique. Psychiatrique. Ou sur mon évolution au niveau du chiffre si entre 7 et 9. De la petite fille de Steph qui s'appelle Nayeli et qui grandit. Si vous avez une question, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà. Ça serait peut-être sympa que tu nous parles des évolutions du podcast et ce que ça a donné en un an et demi d'expérience, etc. Il y a une question sur le chat. Est-ce qu'on peut gagner la banderole Pam on stage au tableau? Alors je voudrais dire que cette banderole, je voulais la faire cette semaine tranquillement. Et on donc, vous paye. J'étais pour dans vous le train. Ah bah bref, je l'ai fait cette nuit, toute la nuit. Un grand merci à Alia quand même, un grand on merci me à Alia. On fait signe que celui qui gagnera l'ITV repartira avec la banderole. Il y a un gars sur le chat qui veut gagner les t-shirts Pam non lavés portés par. J'en ai plein, ça fait une semaine qu'ils sont chez moi, ça pue en tous les sens dans la banderole. Ça a de la valeur. Non, tiens, juste pour le. Désolé, Cobalt. Voilà. Désolé. Et donc voilà, cette banderole a été faite par moi cette nuit de 3h à 5h du matin. Avec amour. Et je n'avais pas de marqueur, je croyais qu'ils en avaient, mais ils ne marchaient pas. J'ai donc pris un pinceau, j'ai découpé des cartouches d'encre noire, des cartouches de stylo, et j'ai peint laborieusement. Et c'est même surprenant qu'il y ait moins de taille. C'était donc le 36-15 code de ma vie cast. Donc sur ce, je voudrais signaler juste avant une qu'on termine. De Seb. Il y a des questions là quand même. C'est un micro Sennheiser. Est-ce que quelqu'un a été sur le stand de Sennheiser vers 6h30? Ah, vers 6h30, non, c'est non, précis. Non, on a raté ça là. 18h30, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami en plus, elle nous a dit après: putain, vous avez raté les gogo danseurs. Alors j'ai la vidéo pour ceux que ça intéresse. Tu as la vidéo? Tu vas nous la donner pour qu'on la mette en ligne. Il y avait le mec qui mixait. D'abord, nous la donner pour qu'on la regarde. Il y avait une nana qui était montée sur le. Combien tu. C'est quand même des gogo danseuses professionnelles. Combien tu la vends? La vidéo. On va voir aux enchères. D'accord. Oui, alors, et donc, il y avait deux nanas qui étaient montées sur le podium et qui se trémoussaient. Ça dure à peu près 5-10 minutes. Enfin, je suis pas arrivé au début. voilà. C'était juste pour dire ça. Alors, une réflexion m'est venue, c'est qu'à l'Apple Expo, on peut voir des ordinateurs, de la bonne musique. Non, pas des ordinateurs, des iMac. Et des belles nanas. Tout ça réuni au même endroit, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est un truc de mec. Ça va se finir en itri tout ça.
Juste un truc, est-ce qu'il y en a qui ont... Alors, parce que le fameux stand où il y avait une mannequin qui était assise toute seule sur son... Vous savez, le stand, il y avait plein de gens qui regardaient tout le temps. Il y avait la... Non, où ils faisaient des photos. On n'a pas trop compris ce qu'ils vendaient au final, finalement. Il n'y avait pas qu'une nana, il y en avait tous les jours. Oui, il y en avait plein, ça changeait tous les jours et tout. Il y a vraiment Vince qui peut nous répondre. Capture 15, ils étaient là pour faire du shooting. Capture 15, c'est un Apple Center spécifique à la photo. Donc, en fait, qui vend les produits Apple, comme tous les Apple Center, mais qui, en plus, fait tout ce qui tourne autour de la photographie pro, donc entre autres Canon et Nikon. Voilà. Et donc, pour attirer l'attention sur leur stand, ce qu'ils avaient fait pour l'Apple Expo, c'est qu'en fait, ils avaient invité un photographe pro assez connu, ainsi que des mannequins, et qui faisaient tourner, donc ils faisaient séance photo toute la journée. Voilà. Ce qui permettait à tout le monde de pouvoir venir surtout également faire des photos et de pouvoir discuter avec des photographes pro et avec des gens qui connaissent ce domaine. Ce qui était très intéressant, personnellement. Ben, Vince vient de faire tomber en flèche Vincent, qui disait qu'il n'y avait rien de professionnel. Bravo, bon, bien joué. Voilà. À part des filles à poil, il n'y avait rien de professionnel. Vince n'est pas photographe professionnel, non. Mais ce qu'il fait relativement professionnellement, c'est quand même nous héberger. Donc, je voudrais que pour Austin Peace, il y ait quand même plus ou moins une tonne d'applaudissements. Quoi. Bravo. Et pour rester dans les sujets sérieux, on me demande sur le net si Monsieur Raoulito aime les tripes. Les tripes en rouge. Alors, ça dépend complètement à quelle cuisine, mais on va peut-être chatter ça une autre fois. Parce que là, il aime juste les eye-trips. Les eye-trips, les tripes. Et les tripes pi. Les... Voilà, service de sécurité. Ah, attention. Oui. Non, ils viennent nous taper là. On fait signe qu'il faut qu'on s'en aille. Alors, je pense que dans le chapeau, il y a... Et comment on a réussi à faire tenir 150 papiers dans un chapeau comme ça? C'est un chapeau magique. Très, très, très bien plié. Stuff magicien. Le regagnant d'un ITV qu'on n'a pas ici, évidemment, puisqu'on prendra son adresse et qu'il se le fera envoyer. Donc, ben, merci une fois de plus aux gens des gâteaux qui sont, même s'ils nous sponsorisent plus, sont toujours derrière nous et qui... Bon, moi, je collectionne les ITV. Hein, c'est, Fais gaffe, Stuff. Méfie-toi, ils sont derrière toi. Ils sont derrière moi? Vous voyez qu'en plus, ils se retournent, c'est bien. Ils sont derrière. Non. C'est pire que le tripi ton truc. Ouais, donc on va tirer en fait une fois de plus, mais par contre là c'est on pas va tirer pour une licence. Ce sera vraiment pour le. Qu'est-ce qu'on fait? On refait encore? On utilise encore la même personne? Oui, je pense. Oui. Je crois qu'on peut utiliser Alia quand même. Ou Alia, Alia. On avait dit une main innocente. Ça fait bien longtemps qu'elle est plus innocente. Que ce soit Alia. Utilisez Alia. Cher public, voulez-vous que ce soit Alia qui tire? Cher public. Le papier. Le papier. Elle touille bien, hein, touille bien. Elle danse sur les tables après. Ouais. Après, je démonte mon iPod. T'es sûr? T'es sûr, hein? Normal-le. Alors. Le gagnant est... Calor, encore. Bravo. Là, Kellor, il a pas perdu sa soirée. Je vais hein. prendre le micro. Attends, c'est celui qui a le t-shirt. Heureusement qu'on a mauvais tir à côté parce que j'y sinon on aurait dit, j'y crois pas. Ouais. Alors, c'est son ami qui tire. Il a un t-shirt Pomcast. Il est là, il est seul qui intervient. C'est un pote à tout le monde et il gagne le truc. On voulait venir à plusieurs et justement pour maximiser les chances de gain. C'est le frangin de Stuff. Donc, finalement, j'ai rien à me reprocher maintenant. Non, non, bravo. T'avais pas dit que c'était ton frère, Stuff, merde. Je remercie bien sûr le podcast. Je trouve que c'est vachement sympa. C'est surtout ITV, quoi. Et puis, moi, je voulais pas intervenir tout à l'heure, mais je voulais quand même donner mon avis sur l'Apple oui, Expo aussi. Vas-y. Voilà, en plus, j'ai au moins un petit temps de parole. J'ai trouvé sympa parce que c'est ma première Apple Expo. De pouvoir rencontrer les développeurs de programmes ou bien les gens qui font les localisations pour par exemple des programmes comme Graphic Converter, l'EMCE. Je trouve que le contact il est vachement intéressant et qu'on se fait plaisir à remercier les auteurs. Quoi. Et c'est surtout ça qui m'a intéressé. C'est vrai. Le pommier aussi. Mais c'est vrai que je rejoins un peu l'avis des autres. Les housses de iPod, personnellement. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites boîtes comme Aquafadas, on en parlait. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Comme même Tension qui font les Ice Link là pour les voitures. Rapid les Software mecs aussi. Toujours là. Rapid Weaver. C'est Real Mac Software, voilà. Ceci dit, on dit du mal des iPod, mais on est tous devenus fans des Bibi. Hein. C'est limite, on ne s'achèterait pas des iPod pour. Fans, je sais pas, mais c'était. Tous ces gens sont là et sont comme vous et moi et ils discutent. Ouais.
Ils écoutent, on peut leur envoyer des mails, ils donnent leur mail personnel. Parce que t'écoutes, et, toi et c'est vrai que c'est très agréable et c'est quelque chose qu'on rencontre pas partout. Quoi. C'est pas vrai, la mannequin, elle m'a pas filé son mail. Hein. Quelque part, on est souvent des switchers quand on est sur Mac. Donc on n'a pas l'habitude de cet environnement un petit peu de développeur de garage qui aime leur soft et qui aime beaucoup, qui est des gens qui aiment ce qu'ils font aussi. Voilà, qui voilà. Sont, c'est pas toujours des c'est des programmes qui ont c'est pas toujours parfait, ils ont des petits défauts. Ouais, ouais, mais... Il y a pas mal de mises à jour, il y a beaucoup de versions bêta, mais on peut donner aussi son voilà, on donne notre avis, et puis en même temps, ils sont là pour nous rassurer, nous dire que bah, vous inquiétez pas, la prochaine version, il y aura ça, ça, ça en plus, et puis finalement, ça dure. Et, je crois que c'est ce qui fait qu'on aime Mac aussi, quoi. Ouais. C'est le fait qu'il y ait plein de petits shareware, plein de petits freeware, plein de petits logiciels très très intelligents, ouais, très simples à utiliser. On est limite avec, la communauté avec du les livre, gens derrière, quoi. On est limite, ouais, on défend limite la communauté. On lui fait du bien. Je crois que tu as bien compris. On professionnalise la communauté. T'as bien compris la technique Apple Corporate, puisque tu ne dis plus un Mac, mais bien Mac. Donc ça y est, c'est fini. Tu as définitivement personnifié. Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'Apple Expo, ils ne présentent plus le Mac, mais ils parlent bien de Mac. Okay. Et ils ne disent plus l'iPod, mais ils parlent bien d'iPod. Donc ils sont définitivement convaincus que c'est une personne. Et c'est iMac, ouais. Voilà. Donc iMac va bien. D'ailleurs, ils nous présentent Mac ou iMac. Ouais. Souvent, ouais. Souvent dans les, Mac, dans les pubs, pas, ils nous présentent machin ou... Bon, bah en fait, on a terminé. Sauf que, après, une fois que l'émission sera terminée, bah, chacun passera ici dans l'ordre d'appel. D'appel, ouais, pas d'Apple. Mais on va épargner ça aux auditeurs ou qui regardent ou qui écoutent. On va terminer à chaque fois. Bah, je vais demander d'abord. Je vais refaire un tour de salle, entre guillemets, rapide. Vite fait, applaudissements très rapides pour Vincent qui était derrière la caméra. Bravo! Oh, applaudissements très rapides pour Vince qui était derrière l'autre caméra. Ouais. Enfin, ou l'autre ordinateur pour France Inter, donc Orny. Voilà. Merci. Pour Raoulito de nous avoir quand même... pardon, pour Rock de nous avoir un peu hébergé. Pas d'insultes dans le podcast. Hein. Pour Alia de n'a pas avoir parlé tant que ça finalement. Bravo. J'ai l'impression d'être bouvard. Je trouve à chaque fois des trucs. Pour le Martien, d'avoir l'air quand même un tout petit peu homosexuel avec son bibi. Bravo. Merci. Pour je trouve quand même que Martien, il a vraiment l'air martien d'ailleurs avec ça. Ouais d'ailleurs. Bon, pour le pompier, de m'avoir interdit de manger ma pizza. Bravo! Pour Jean-Phi, qui va commencer à en avoir marre, que je l'appelle le Belge. D'ailleurs, est-ce que t'as dit un mot pendant toute l'émission? Oui, j'ai eu le temps au début, mais comment est-ce que tu veux parler quand t'as Alia qui monopolise la parole? Enfin, je sais pas comment tu fais, mais à mon avis, le montage va être très c'est drôle. Pas, c'est pas très compliqué, après. Je suis la seule fille, il faut donc établir un minimum de filles, garçons! Ah, on me fait Alia signe. N'est pas susceptible. On me fait signe que je suis la seule fille, risque de ne plus être prononcée très bientôt. C'est un scoop. Et pour Raoulito avec son trippie, un petit peu phénoménal aujourd'hui. Et pour Stuff qui va juste nous faire le plaisir de nous dire combien nous sommes de podcasters à cette table ce soir. 7, est-ce que tu 8, comptes 20 9 de non, 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 salaud. 8 comme une huître. Ouais, et pour... Et un remerciement particulier pour Jean-Michel, esclave vidéo. Et Laurent, et qui est esclave audio. Donc, big up pour vous. Bravo. Oui, le Martien dit esclave audio et maintenant désormais sourd à cause de vous. Merci aussi à Zares qui était derrière l'autre caméra. Bravo. Merci à vous tous. Et on termine à chaque fois, vous connaissez comment ça se termine, ouais. Par la moralité que Neomac a très bien suivie d'ailleurs, puisque depuis qu'il a changé un petit peu sa vie grâce à la fin du Pomcast, on ne le voit plus sur le Pomcast. La preuve, c'est qu'il est coincé derrière son ordinateur. À savoir que dans la vie, il ne faut pas s'emmerder, on n'a qu'une vie, donc il faut s'éclater. Donc si vous faites un jour quelque chose dans la vie qui vous ennuie, si vous avez un ordinateur qui vous ennuie, eh bien c'est très simple, il suffit tout simplement de... Switcher ! Voilà. Nice!